doutes? Oh, ne casse rien. Je ne casse rien. Être de l'or ou du diamant à l'intérieur. Attends, il y a un papier. Faut attraper. Attends. L'or, attends. Il se pose beaucoup plus bas. Continue. Regarde. Tu vois cette grosse chaîne que porte Cardi B? Là, c'est écrit Cardi B. Pour toi, c'est pareil. Cardi B. Vas-y. Continue. Quelque chose de mieux t'attend. On ne peut vraiment rien me dire, c'est une blague de fiançailles. Peut-être qu'il attend le bon moment pour se demander, veux-tu m'épouser? Oui. Oh, tu vois, c'est comme oui, celui qui chante, laisse-le. Tu as arrêté de m'embrouiller, Na. Laissez-moi. Pauvre. Attends, laisse-moi filmer. Oya, zoome ça bien. Regarde. Filme, comme ça tu vas poster. Je vais poster. 1, 2, 3, c'est parti. Arrête la vidéo. C'est un chèque. Quel chèque? Je t'aime bébé et tu vaux plus que de l'or. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Non. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? N'est-ce pas mon anniversaire? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Regarde. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? S'il te plaît, prends ton cadeau. Regarde toutes ces belles attentions. Ça doit être une erreur de cadeau. C'est sûr que le véritable cadeau, il a oublié de le mettre. Ma sœur, il faut l'appeler. Appelle-le. Appelle-le qu'il confirme. J'ai oublié. Mon anniversaire. Oui. C'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Ma soeur, joyeux anniversaire. Papa. La vedette du jour. Oui, papa. Alors, qu'est-ce que tu as prêté pour nous? Papa, qu'est-ce que je peux faire pour mon anniversaire? D'autres parents, si c'était d'autres parents, ils auraient acheté des voitures pour leurs enfants comme cadeau d'anniversaire. Et toi, tu me demandes ce que je vais faire pour mon anniversaire. Tu vois? Qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie pour qu'on t'achète une voiture pour ton anniversaire? Tu vois ces gens qui reçoivent des voitures comme cadeau? C'est parce qu'ils ont travaillé pour ces voitures. Ils méritent ces voitures. Écoute, je t'ai emballé un cadeau. Oui, si tu pars près de la porte, derrière la porte, tu vas voir le panier d'ignames que j'ai emballé pour toi. Je veux que tu ailles les vendre. Vends ces ignames et utilise l'argent pour acheter quelque chose qui te plaît. Pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Papa, de quoi parles-tu? Hey, papa, tu es une bonne personne. Merci. Non, et moi, excuse-moi. Donc, papa, tu veux dire que je devrais aller prendre ce paquet d'ignames, aller les vendre pour m'acheter un cadeau d'anniversaire? Je ne peux que te donner ce que je possède. Écoute. Si tu ne veux pas les vendre, c'est pas grave. Tu peux les rôtir. Joyeux anniversaire. Je vais à la boutique. Écoute, ne t'en fais pas, oh. Je vais t'aider à les vendre et te remettre l'argent, oh, d'accord? S'il te plaît, je n'ai pas besoin d'argent. J'ai quelqu'un de spécial. Il est très riche et il va prendre soin de moi. Il va me donner un cadeau spécial. Alors attendons, ma sœur. C'est bon, c'est ton jouet. Tu mérites le meilleur. Va là-bas. Qui vient là? Joyeux anniversaire, comment tu vas? Mais tu n'es pas encore habillée? Je suis habillée, non. Pourquoi? Ah, mais nous sommes censés aller dans la boutique de notre tante pour qu'elle nous donne des vêtements de l'anniversaire. Et des très belles chaussures. Ça, c'est vrai. Souviens-toi, quand Tantine Gozi promet quelque chose à quelqu'un et le moment venu, il faudra aller vite pour récupérer, sinon tu vas rater. Je ne veux pas des vêtements bon marché de tante Gozi. Mon ami est très très riche. Il va m'acheter quelque chose. Il va me faire des cadeaux et m'acheter ce que je veux. Alors, je ne veux pas d'autres cadeaux. On va aller les prendre. Je n'en veux plus. Alors, comme ça, tu as un nouveau gars. Ton nouveau je gars est dit. Important. Il est plein nos âges. Il est riche. Je suis contente pour toi. Hey!
Tu vois, on dit souvent que mieux vaut celui qui vient la main vide que celui qui fait des millions de promesses. Nena. Qu'est-ce qu'il y a? Nena, ce n'est pas le moment de nous sortir des situations maintenant, hein. La chose la plus importante maintenant, hein, c'est d'appeler ce gars. Vas-y, appelle-le. Appelle-le. Quand il arrivera ici, on va faire sa fête. Hein? Appelle-le. Et toi, si tu ne veux pas battre quelqu'un, va à l'intérieur. Appelle-le, débile, appelle-le. Viens ici. Hey, vous allez le tuer, oh. Pousse-toi. Laissez-le. Hey, s'il vous plaît, laissez-le. Ah, laissez-le. Laissez-le, non. Ah, vous allez le tuer. Je vais le tuer. Vous allez le tuer. Ah. Chizoba. Chizoba. Chizoba, laisse-le. Regarde ça. Tu devrais voir l'autre qu'il m'a apporté. Nelson sait exactement ce que j'aime. J'adore juste. C'est-à-dire, je suis trop contente. Nelson est un bon parti. Mais celle-ci est très jolie. Ça te va très bien. C'est très joli. Je l'adore. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. On ne fait rien. Et les jeunes filles qui sont censées se préparer sur comment devenir des futures mamans, vous vous êtes déjà maquillées. Et vous êtes ici en train de vous amuser. Changez les vêtements. Tôt le matin comme ça et vous me dites qu'il n'y a rien. Papa, j'étais en train de nourrir les chèvres avant qu'elles ne me demandent de venir voir ces vêtements. Hey hein? Nena hein? N'ai-je forcé N'ai-je forcé de venir voir ces vêtements avec moi? Femme Tu es ma sœur. Hein, dis-moi. Papa, c'est Debbie. Écoute, je ne sais pas ce que c'est que Debbie. Ou alors aider. Ton nom, c'est Déborah. C'est le nom que je t'ai donné. Et c'est le nom que tu dois porter. Écoute-moi. Si seulement tu étais focalisé sur des choses qui t'apporteront du bénéfice et mettre définitivement de côté cette vie de frivole, ce serait bien pour toi. Papa, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quoi je parle exactement. Combien de temps je vous ai demandé d'avoir un objectif dans la vie? Combien de fois vous ai-je dit que vous devez être productif dans la vie? Combien de fois je vous ai dit que vous ne devez pas compter sur quelqu'un à part sur vous? Une femme responsable est celle qui a un foyer. Elle ne s'assoit pas pour attendre qu'un homme riche vienne l'épouser. Elle doit faire quelque chose d'elle-même et faire quelque chose de productif pour elle. Pourquoi ne le faites-vous pas? Papa, nous attendons que la grève finisse. Là, on pourrait retourner à l'école. Et avant que la grève ne finisse, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez apprendre quelque chose. Au lieu de vous lever le matin, peindre vos bouches. Regardez vos visages. Vous êtes censé faire quelque chose et vous faire de l'argent. Je vous ai dit d'être prêt. Quand vient l'heure de se faire de l'argent, quand vient l'heure de construire, les hommes et les femmes ont les mêmes opportunités. Personne n'est grand ou vieux. Ne vous l'ai-je pas dit avant? Papa, écoute, je ne suis pas venue dans cette vie pour souffrir. Hein? Je crois que c'est pour ça que Dieu a créé les hommes et les femmes. L'homme est censé se démerder. Il est censé se battre. C'est pour ça qu'il a des muscles. Mais nous, les femmes, nous sommes douces, soft et soyeuses. Nous sommes censés prendre soin de nous. Tu sais, Tu sais, chaque fois que tu parles, j'ai comme l'impression que tu es folle. Mais je ne le dis pas parce que il m'est très difficile de dire que ma fille est folle. Malheureusement, Déborah, tu es folle. Non, c'est pour cette raison que tu dis ces bêtises devant moi. Écoute-moi. Il n'y a rien qui puisse vous rendre heureuse que le fait de payer vos propres factures. Puisque vous travaillez votre propre argent, personne ne le cherche pour vous. Vous voulez le chercher de vous-même. Combien de fois devrais-je vous le dire? Et pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? Papa, Udo m'a conseillé d'apprendre la couture avec lui. Je veux que tu me donnes de l'argent, comme ça j'irai payer pour ma formation. Nena, ma chère sœur, dont tu veux devenir la prochaine maman Ngozi dans cette village? Nena, s'il te plaît, fais de ton mieux. N'écoute pas surtout ton inconsciente sœur. Ce que tu dis est vrai, mais laisse-moi te demander. De tous les gens qui sont
dans cette ville. Pourquoi c'est un paresseux inutile? Qui a pu te conseiller c'est pour quelque chose? Pourquoi? Papa, Oudo n'est pas un paresseux, il est mon ami. Papa, sais-tu même qu'il a dit que la couture sera bonne pour moi et je pourrais me faire beaucoup d'argent? Pourquoi attendre que quelqu'un te conseille de faire quelque chose? Peux-tu le croire? Hein? Pourquoi tu ne réfléchis pas de toi-même? Hein? Écoute-moi. Mais une papa... qui doit attirer des hommes raisonnables, de valeur, doit ajouter de la valeur à sa propre vie. C'est quand tu donnes de la valeur à ta vie que tu attires des hommes de valeur. Attire des hommes puissants. Attire des hommes intelligents, des hommes intègres. Écoute-moi, tu ne dois pas permettre que rien ne te discrète dans la vie. Dans cette vie que nous vivons, les hommes sont des distractions pour les femmes. Et les femmes sont des distractions pour les hommes. Mais seuls ceux qui ont des objectifs sont ceux-là qui ne vont pas se laisser distraire par personne. En aucun moment. Et je veux que mes filles soient comptées parmi ceux qui ne se laissent pas distraire par rien. Me suis-je fait bien comprendre? Oui, oui, papa. Papa, tu as raté ta vocation. Tu es très stupide. Papa, j'ai entendu. Il y en a qui ont été très bien. Nous avons même en colombole, qui est barbolo cocao. Pourquoi? Papa, je n'ai pas de muscles. Papa, je te rejoins à la boutique. Les hommes doivent prendre soin des femmes, comme Nelson prend soin de moi. Tu devrais voir ce qu'il m'a acheté. Je ne vais plus te donner, je ne partagerai plus mes choses avec toi. Tu dis que je t'ai demandé de venir voir des vêtements. T'ai-je forcé de les voir? N'es-tu pas ma sœur? T'ai-je pas soutenue? Je te soutiens, oh. Tu ne m'as pas soutenue. Hé, hey, calme-toi. 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 Tu vas me les donner. Je ne donnerai pas. Hey, ouh, oh, je suis sexy. Je suis pas venue sur terre souffrir. Hey, si je suis les politiciens. J'adore l'amusement. Mon Dieu. Quoi? Où vas-tu encore? En quoi ça te concerne? Hein? Eh bien, tu as entendu ce que papa nous a dit. Tu dois arrêter cette vie de débauche et de paresse que tu mènes. Ça ne pourra pas t'aider. Tu dois commencer à faire quelque chose, tu sais, faire quelque chose de ta vie. Oh oh! Yeah! Nena, tu dis que ma vie est une vie de débauche. Ça, c'est la meilleure. Moi, dont la vie est bonne et organisée. Comment tu t'en sors? Les affaires marchent? Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Ok, je vais être terre à terre avec toi. Qui utilise les téléphones? Dernier cri. Moi. Qui met des vêtements hors de prix? Moi. Et puis, qui mange tout ce qu'elle a envie? Toujours moi. Qu'en est-il de toi? Ma chère sœur, qu'en est-il de toi? Écoute, je m'inquiète juste parce que tu es ma sœur, ok? Okay? Sérieusement, tu dois arrêter de courir après les hommes. Pour de l'argent, les vêtements, les mèches, les sacs à main et les téléphones. Tu dois arrêter. Toutes ces choses sont éphémères. Kai, il faut changer. Nena, tu m'as gagné. Tu m'as vraiment, vraiment gagné. Alors tu dis que mes vêtements sont bon marché, hein? Pas de problème, tu as raison, il n'y a pas de problème, Nguan. Commence par enlever mes vêtements bon marché que tu peux. Hein? Déborah. Debbie. Que j'enlève ces vêtements. Qui chante ici? Biko, enlève mes vêtements. Ne me tente pas. Oublie que nous sommes sœurs. Ne me tente pas. Enlève mes habits. Déborah, tu dis que je dois enlever tes habits. Non, suis-je en train de blaguer? Juste parce que je t'ai dit la simple vérité. Enlève! Je vais te frapper au visage. Enlève mes habits, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est?
sa vie, non? Puis-je au moins aller à l'intérieur en l'évier? Tu es saoule? Tu es folle? Retire mes vêtements. Ne me fais pas oublier que tu es ma grande sœur. Enlève mes habits. Déborah. Qu'y a-t-il? Écoute, Nina. Tu ne dois pas laisser ce que ta sœur a fait t'affecter. Pas du tout. Tu es plus grande. Tu es plus sage. Et selon moi, tu es la plus intelligente. Tu es brillante. Alors tu ne dois pas venir ici, t'asseoir et pleurer. Non, tu ne peux pas faire ça. Papa, je ne pleure pas à cause de ce que Debbie m'a fait. Qu'est-ce qui te fait donc pleurer? Le fait qu'elle pourrait avoir raison et que je sois juste envers elle. Pourquoi tu dis ça? Depuis que j'essaye de faire les choses bien et atteindre mes objectifs, je n'ai jamais rien accompli. Tout comme ma sœur Debbie. Écoute, Nina. Rien de bon dans la vie ne vient facilement. Pour que quelqu'un accède à la grandeur dans la vie, il y a un certain nombre de sacrifices à faire. La vie, c'est un pas après l'autre. Pas besoin de sauter les étapes. Tu dois suivre toutes choses. Pas à pas. Si tu sautes une étape, tu risques de te casser les pieds. Ou encore, tu vas t'en sortir avec une maison sans fondation qui pourrait tomber avant ton entrée. Mais papa, pourquoi la vie est si difficile pour les gens qui font les choses bien? Et facile pour les méchants, papa? Pourquoi? Ah, écoute ma fille, il y a quelque chose dans la vie. Crois en ce que l'on voit et ce que l'on entend tous les jours. L'expérience et le temps sont les deux choses qui peuvent répondre à la question que tu viens de me poser. L'expérience et le temps. Nameza batari kokoro koro kwa. Omalecha. 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 Ne t'en fais pas. Hein? Je n'aime pas te voir être triste. Je veux te faire une promesse. Très bientôt, je vais avoir de l'argent, je vais devenir super riche et j'aurai beaucoup de succès. Et je vais t'amener à Paris, t'amener à Dubaï, t'amener à Banana Island, t'amener à Madrid, t'amener à Rome, t'amener partout. Et puis, je vais te rendre belle. Tu vois, tout ce qu'on peut acheter avec de l'argent, je l'achèterai pour toi. Oh? Où que m'allez mal mouaï? Ande manego, que j'ai de comme mouaï? Hein? Oko watago? Ouatafou, ouatagofou. Arrête de pleurer, oh. Mon amour, je sais. Je t'aime tellement. Je te promets que rien ne se mettra au milieu de notre relation. Je ne permettrai jamais rien ni personne de se mettre au milieu de nous. Même voilà, mon bébé a parlé. Ok, ouatafou, ouatafou. Ça, c'est mon bébé. Alors, le fait est que je vais te dire quelque chose, hein. Bientôt, quand je me serai fait beaucoup d'argent, même ton père sera amoureux de moi. Parce que quand je viendrai chez ton père, j'utiliserai l'argent pour ça. Hé, hey, mon Zéhès, prends ces 20 000 pour ton bébé, vin. Je sais. Ils vont réaliser que tu es un homme qui a beaucoup de dignité et de valeur. Laisse-moi te dire, hein. Je vais t'acheter la Ferrari.
T'as acheté la Bugatti. Hey. T'as acheté la Lamborghini. Ah. Okuwata. Ozuko. Naï, qu'est-ce que c'est que ça? Dikaye Ozuko, des absurdités. Qu'est-ce que c'est? Que fait cet ennemi du progrès ici? Qu'est-ce que Na, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle fait encore ici? Qu'est-ce que cet ennemi du progrès fait ici? Qu'est-ce que tu fais ici, bien? Bien, écoute, petite fille, dégage d'ici maintenant. Unage Moruga Kiko. Nena. Allons-y. Ta sœur m'a demandé de venir te sortir des griffes de ce pauvre déchet de l'environnement. Oh. Chizoba, contrôle ton langage. Je ne veux pas me placer là et te regarder insulter mon homme. Est-ce que tu m'entends? Et depuis quand es-tu devenue la servante de ma sœur? Depuis qu'elle a commencé à me donner de l'argent, des vêtements, hein? De toi, moi qui est le plus pauvre. Depuis qu'elle a commencé à me donner de l'argent, des vêtements, elle est responsable. Allons-y, s'il te plaît. Hey, dis-moi, que va-t-il se passer si je refuse de venir avec ça, toi? C'est mon bébé. Tu as dit? Tu ne viens pas avec moi? Pourquoi? Maka, comment? Par les pouvoirs qui me sont conférés en tant que propriétaire de ce commerce ici et ce conglomérat, je déclare que elle ne va nulle part. Ça, alors, ça c'est un commerce? Mon empire, maman. Ça, c'est un empire? Maman, c'est, comme je te disais avant. C'est ça que vous voulez utiliser? Avant qu'elle ne nous interrompe, le fait est que. Attends, ce n'est pas possible de t'insérer. Poussez-vous, je veux aussi m'asseoir. Degeno Beniko, Nasuma Bebinaro. Veux-tu te lever de là? Enlève tes petits trucs là d'ici. Beko, Ikatalunchala. Lève-toi avec ses fesses grillées. J'espère que ton corps ne touche pas. Lève-toi, Lika, je te préviens. Je ne peux pas venir. Hein? Waouh! Hey! Waouh! Ça, c'est. C'est très joli. C'est vraiment très joli. Ah! Hein? C'est très joli. Waouh! Tu es devenue l'ambulance? Il est grand temps que tu commences à avoir des choses à toi, comme tu vois. Ta sœur! Alors nous pourrons faire wing-wong pour toi. Bien. Chizoba, je n'ai pas ton temps là maintenant. M'as-tu entendu? Voilà, je prends ça. Ça. Il faut garder ces choses pour elle. Très, très bien. Avant d'aller voir ton pauvre petit ami. Et où est ma sœur? Elle est allée à un autre rendez-vous. Elle est encore sortie? Hey! Qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille? Si elle continue comme ça... Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, non. Bonsoir, papa. Bonsoir. J'étais en train de partir. Papa, c'est pour Debbie. Et elle m'a demandé de les garder pour elle. Pour Debbie? Oui, papa. Attends, je pense que le moment est venu pour moi de montrer à cette fille qui est ta sœur. Et que je suis toujours le chef de cette famille et pas n'importe qui. Je ne vais pas lui permettre de détruire le nom que j'ai travaillé pendant des années pour me faire. Pas. Papa. Papa, s'il te plaît. Papa. Ferme ta bouche. Papa, veux-tu la brûler? Non. Je vais préparer. Papa, s'il te plaît, non. Papa, Biko. Je vais préparer. Papa, ça se brûle. Hey, écoute, cherche ta sœur et fais-lui comprendre qu'il est temps. Qu'elle l'arrête. Qu'elle doit faire quoi? Arrêtez. Ne n'essaye pas. Ne passe pas à côté. Hey. Hey. Je t'ai dit de ne pas y toucher.
Mon amour, hein? Dans ce sac, il y a les écrevisses, le piment, les oignons et le poisson sec. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas mis les sam periwinko au buruko, mowazomwako? Je vais le mettre la prochaine fois. Qu'en est-il du zonkolonko? Ah, mon amour, je n'ai pas mis l'autre là, mais il y a d'autres choses là-dedans. Potoua. Comme les oignons et les maguis. Non, non, ni. Merci beaucoup. Hein. Tu sais que c'est pour ça que je t'aime beaucoup. Nous sommes les meilleurs. Je t'aime aussi. Et je ferai n'importe quoi pour toi. Hein? Tu ferais n'importe quoi pour moi? Oui. Tu en es sûr? Mon amour, je suis très sûr. J'ai besoin d'argent pour acheter des médicaments pour ma mère malade. Mon amour. Mais je t'ai remis de l'argent la semaine dernière pour acheter les comprimés pour ta maman. Tu sais très bien que je n'ai pas d'argent et je n'ai pas où je peux en avoir en ce moment. Sais-tu que cet argent a été volé de la boutique de mon père? Tu sais bien que je ne suis pas content de te demander de l'argent. Parce que je sais que ce n'est pas normal. Dans ces circonstances, je suis censé être celui qui te donne. C'est juste que Dieu ne s'est pas encore souvenu de moi. C'est pour ça que je fais tout ça. Hein? T'en fais pas, mon amour. T'inquiète pas. Dieu va se souvenir de toi. Regarde ce que tu fais maintenant. Tu me brises le cœur. Tu vas me faire pleurer. Non, non, je ne veux pas que tu pleures. Hein? Maman. Papa. Je ne veux pas que tu te sentes mal, hein? Bientôt, je vais me faire beaucoup d'argent. Et je vais t'épouser. Et nous allons commencer à construire notre futur ensemble. Oku watagofu. Watafu. Iwatafu. Watafu. Pas de problème. Pas de problème. Mon amour, tu sais, je t'aime beaucoup. Je sais. Oui. Laisse-moi donc un peu réfléchir. Oui. Que dois-je faire? Laisse-moi réfléchir. Mon amour, je sais quoi faire. Maman? Tu vois, aujourd'hui, je vais aller dans la boutique de mon père et voler de l'argent pour venir te donner. C'est ça, maman a parlé. Je vais voler l'argent. Oui. Ça, c'est une merveilleuse idée. Dans ce cas, il faut que je parte maintenant. La prochaine fois que tu m'apportes de la nourriture, il ne faudra pas oublier de mettre l'idjou. Et l'issam, c'est le periwinko. Toko-roko. Tu comprends? Bye-bye. Bye. Papa. Bon après-midi, papa. Bonjour. Bonjour, papa. Bonne nuit. Dis bonne nuit maintenant. D'où viens-tu comme ça? Moi? Papa, je suis allée regarder si la vendeuse d'Oba passait déjà. La vendeuse d'Oba? Oui, papa. Alors, il ne t'a pas seulement transformée en voleuse, mais il a aussi transformé ma fille. Une menteuse, n'est-ce pas? Nena, je t'ai demandé d'être entreprenante. Je t'ai demandé d'être une femme travailleuse qui paye ses factures, qui se fait de l'argent, qui se bat d'elle-même. C'est ce que je t'ai demandé. C'est la seule chose que je te demande. Pas de te battre pour un homme. N'est-ce pas? Mais papa, c'est mon ami. Et il a besoin de mon aide. Écoutez, ce jeune homme, tu dois le quitter rapidement. Arrête de voir ce jeune homme parce qu'il t'influence négativement. Tout homme qui attend qu'une femme prenne en charge ses besoins les plus vitaux, les choses basiques comme la nourriture, un homme ne peut pas s'en procurer. Il attend qu'une femme lui apporte de la nourriture. Si tu vois ce genre d'homme, c'est que tu as vu un imbécile. Tu vois ce jeune homme, c'est un mauvais parti pour toi. Et ma fille ne doit pas du tout côtoyer un élément comme ça. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu dois quitter ce jeune homme parce que
Dès qu'une autre va mieux l'entretenir, il va te quitter. Non, papa, il ne peut pas me laisser. Il m'aime. Hé, écoute, je ne vais pas parler de cet amour. Parce que quand tu vois ce jeune homme, il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Fais-le asseoir ici maintenant et demande-lui la définition du mot amour. Il va t'attonner. Tu dois ouvrir ton cerveau. Ce que voit le vieillard est en reste. Même si tu grimpes au sommet de l'Iroquois, hein, tu ne seras pas capable de le voir. Il n'y a pas d'homme ayant des bonnes intentions envers une femme qui va lui suggérer de faire des choses vraiment indécentes, comme voler pour lui donner à des miens ou chilidiens. Quitte ce abruti rapidement avant qu'il ne détruit ta vie. Rassure-toi de fermer ma porte. Je vais à ma boutique. La raison pour laquelle j'ai convoqué cette réunion est qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans cette famille. Et je veux que ça s'arrange. Et je sais que je suis la seule personne normale dans cette famille. Quoi? Déborah, toi, tu ne peux pas te placer ici devant nous et parler de normal. Je suis la seule enfant normale dans cette maison. Oh? Peux-tu te taire? Tu ne peux pas fermer ta lâche. Assez de toutes ces bêtises, Déborah. Assez. Mais tu me dis pourquoi tu as porté ces deux bouteilles de bière et me demander de m'asseoir ici. Et pourquoi m'as-tu appelé? Je ne comprends pas. Ok, bien, papa. J'ai deux points sur lesquels je veux qu'on discute dans cette réunion. Je vais commencer par le premier. Je veux que mon père, papa, me dise pourquoi il a beaucoup de terrain dans ce village, qu'il peut vendre pour prendre soin de moi. Mais il veut que moi, j'aille travailler pour de l'argent. Ça, c'est le premier point. Déborah. Quel est le gars, là? Combien de fois est-ce que papa doit encore t'expliquer des choses? Qu'est-ce que vous y là, hein? As-tu perdu la tête? Marumo. Est-ce à toi que je parle? Laisse-moi te dire, il peut l'expliquer autant de fois qu'il voudra. J'ai besoin de plus de précision. Ok, ok, tu sais quoi? Le premier point qui a été présenté a été noté. Le deuxième point, c'est quoi? Très bien, papa. Le second point et le plus dérangeant est ma grande sœur ici présente. Qu'elle me dise pourquoi elle a un petit ami. Pourtant, elle vole mon argent, porte mes vêtements et se pavane avec son petit ami. Explique. Dia, Déborah, ne me parle pas comme ça. Je ne suis pas ton égal. Je ne t'insulte pas. Je te pose juste une question et j'ai besoin de réponse. Combien de fois vous ai-je dit que vous devez travailler dur? Vous devez apprendre quelque chose, que ce soit un emploi ou le commerce. Quelque chose qui pourrait vous donner de l'argent vous permettant d'être productive. Combien de fois vous ai-je dit cela? Vous n'avez rien et maintenant toi, femme, tu mets l'œil sur les terrains familiaux. Tu n'as pas honte? Si tu continues comme ça, tu n'as pas de commerce, pas d'emploi. Tu ne fais pas de l'argent, tu n'es pas productive. Comment vas-tu éventuellement prendre soin de tes enfants lorsqu'ils viennent? Ah, papa, ça c'est simple, non? Mon mari prendra soin de moi et de nos enfants. Ça, c'est son boulot. Est-ce que je suis censée me stresser avec mon joli corps, abîmer mes doigts? Ce n'est pas possible, papa. Ça, c'est le travail des hommes, des maris. Tu écoutes ta sœur? Oh, Marie, fait. Elle ne sait rien de ce qu'elle dit. Mais dis-moi, Déborah, si tu es éventuellement celle qui s'occupe de son mari et de ses enfants, ce serait un crime. Ou alors il va pleuvoir. Papa, je ne suis pas un homme pour souffrir. Je ne suis pas sur terre pour souffrir. Viens m'enlever tout ceci de là. Papa, s'il te plaît, ne l'en veux pas. Je ne t'ai pas parlé. La paresse est imprégnée dans son sang. Tu es folle. Papa, j'ai acheté ces deux bouteilles parce que je pensais que tu allais te régaler. Mais je veux que vous y pensiez. Ah, ah. Tu n'as absolument rien dans ta tête. Et c'est tout. Ozayonobi. Papa, ne l'en veux pas. Une femme qui mêle sur les terrains familiaux maintenant. Elle a dit que tu as un petit ami. Et tu ne l'as pas nié. Papa. Qui est ce petit ami? Papa. Papa.
Papa, es-tu en train de sortir? Oui, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Papa, j'ai besoin d'un peu d'argent. Tu as besoin d'argent? Oui, papa. J'ai l'air d'un fou. Non, papa, non. Tu veux que je te donne de l'argent pour que tu ailles donner à cet idiot, n'est-ce pas? Non, papa, Mbao. Papa, si tu me donnes cet argent, je ne dois pas le lui donner. J'ai besoin de cet argent pour acheter un instrument pour ma formation. Ok. Quelque chose qui va te permettre d'étudier. Je vais te donner de l'argent. Mais quand je vais rentrer, ok? Ok, bye bye. Mais il y a quelque chose que je veux que tu comprennes. Mm. Lorsqu'une femme veut identifier l'homme qui lui tourne autour à cause de son argent, elle doit arrêter de lui donner de l'argent. Il va immédiatement lui fermer les portes de son cœur. Makro imunyaza kina mama. Ibeza e bon motapli. Mwa loba lobazo. Lorsque tu fermes la source, tu vois, la vraie source, la source de la beauté, il va devenir laid immédiatement. Je veux que tu y penses. Jusqu'à ce que je vais rentrer. Faut juste laisser un bon abori. Abario. Oui, tu me verras bientôt. Je suis presque à la maison. Non, Déborah n'est pas là. Oui, j'arrive. Moi aussi, je t'aime. Hé, arrête-toi là. Ah, Où crois-tu aller comme ça, hein? Même pas. Tu as écouté les vocales? Je veux dire les notes vocales? Alors, exécute-toi. Chizoba. Chizoba, t'es pas sérieux. Arrête-toi. Si tu bouges. Chizoba, tu veux que je me déshabille ici en public? Tu es en train d'aller chez ta mine, n'est-ce pas? Est-ce qu'on porte ce genre de vêtements pour faire ce que vous allez faire? Mon ami, tu vas enlever ces vêtements-là. Enlève-les aussi vite. Chizoba, arrête ça, je ne veux pas de problème. Comment oses-tu? Désolé, monsieur. Déshabille-toi. Je suis en train de te demander de te déshabiller, tu me parles gros français. Je veux appeler ma sœur. Je veux te... Donc ça, c'est deux jours. Oui. Enlève tout. Es-tu normal? Je ne sais pas ce que tu fais encore avec ça. Hey. Oh, yeah, allons. Rapidement. Dépêche-toi de pas. Chizoba, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Rapidement. Oh, Malicha. Bébé. Maman. Tu sais que je t'aime beaucoup. Et je n'aime pas te voir pleurer. Hein? Ne pleure plus. Onogo. Oublie tout ce que ces gens t'ont fait. Ils l'ont fait parce qu'ils pensent que je n'ai pas d'argent. Oublie Debbie. Elle pense que je suis pauvre maintenant. Elle ne sait pas que je suis en train de me préparer. Tu comprends? Tu vois tout ce qu'ils t'ont fait, hein? Très bientôt, quand j'aurai assez d'argent, je veux dire beaucoup d'argent, on va lui rembourser la monnaie de sa pièce. On va lui faire la même chose. Hein? Qu'est-ce que je lui ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi me détester le temps? Pourquoi? Oh, Malicha, oublie tout ce qu'ils t'ont fait, hein? Mon amour pour toi est plus grand que leur haine. Tu vois ta sœur Debbie, avec tous ces trucs qu'elle fait, et comme une jeune dame, comme Margaret Chata. Tu vois, Debbie, je la vois venir.
Je la vois venir. Hein? Ils pensent que nous n'allons pas réussir. Ils ne savent pas que nous avons été créés pour être grands. Tu me comprends? Et Otago Oko, Danfo. Otamfo. Mais bébé, Watabafo. Otarami, Anfo. Je suis fatiguée. J'en ai marre. J'en ai marre d'être bientôt. Bébé, tu sais que j'ai actuellement des investissements dans plusieurs endroits. Tout ce que j'attends, c'est... Ceci, c'est pour cette date, le 2 avril. Ceci, c'est pour le 5 février. Et ceci, pour le 7 décembre. C'est ce qu'on va matérialiser. Nous allons gagner dans tout ça. L'argent en tout temps. Tu comprends? Tout ce dont tu as besoin dans cette vie, je vais te donner. Y compris beaucoup d'amour. Ne sais-tu pas que je t'aime plus que tout? Mon amour pour toi, conquiert tout. Iwatago? Iwatafo? Je suis fatiguée d'entendre tout ça. J'en ai marre. Bébé, tu n'as pas à être fatigué. Hein? Laisse-moi tuer ces moustiques sur ton visage. Hein? Tu ne dois pas te fatiguer. Tu comprends? Hein? Le fait est que tu sais que l'amour est avant tout. Hein? Tu ne dois pas en avoir marre. Quand on aura l'argent, tous ceux qui t'ont déjà dérangé dans ce village, ceux qui t'ont insulté, tous ceux qui t'ont... Amoni Watafou, Watagofou. Watafou. Omalisha. Watafou. Maman. Est-ce l'amour que je dois manger? Maman. Vais-je manger l'amour? Maman. Tu sais cette chose à propos de cette chose. Qui est l'amour? Cet argent. Cet argent que tu m'avais promis. Cet argent que tu m'avais promis. Ils l'ont aussi pris. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ceci signifie? Naï, bonsoir. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Naï, je ne lui ai rien fait. Alors, et c'est quoi cet accoucrement? C'est ta fille, Margaret Tchatché de la ville, qui l'a dévorée. Quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Papa, si tu vois ce que... Si tu vois ce que Déborah m'a fait aujourd'hui, tu n'en croiras pas. Déborah a envoyé sa bande me taper et me déshabiller devant tout le monde. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, si ce n'était pas mon intervention rapide, hein, c'est qu'en ce moment, elle serait sur le lit d'hôpital ou bien dans une morgue. Pour rien. Mais j'ai débarqué et j'ai décidé de risquer ma vie, ma précieuse vie, juste pour la sauver. Ta précieuse vie, effectivement. Bien, merci pour ton intervention. Maintenant, tu peux partir, je vais pas là, ma fille, c'est la seule. Ah, Naï, nous devons remercier Dieu parce que j'ai débarqué à Tango. Sinon, seul Dieu sait ce qui se serait passé. Mais si tu veux que je parte, si tu dis que je parte de ta maison... Liva Pojam, vois-vous, vois-vous. Tu m'as chassé, je m'en veux. Bon, maintenant, tu peux parler. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Et comment ça s'est passé? Oui. Merci. D'accord, on se dit à demain. Ok. Déborah! Comme ça, tu as eu le culot d'envoyer tes chiens après moi, hein? Je pensais que tu n'avais pas peur de moi. Pourquoi n'es-tu pas venue toi-même? S'il te plaît, Nena, je n'ai pas de temps à perdre à parler avec toi. Alors, s'il te plaît. Tu ne vas aller nulle part, Déborah. J'ai toujours ignoré tes insultes à mon égard dans cette maison. Mais bon sang, je suis ta grande sœur. N'as-tu pas de respect pour tes aînés? Mais tu sais quoi?
Je vais te montrer un truc que tu ne dois jamais oublier. Laisse-moi te dire, tu ne peux rien faire. Moi? Tu n'as pas les muscles pour me faire face. Mmh. Tu ferais mieux de quitter devant moi et aller réfléchir sur ta vie avant de m'énerver. Ne m'énerve pas où? Tu sais quoi? Je suis mieux que toi dans cette maison. Je suis mieux que toi partout dans ce monde. Okay. Je suis 100 fois. Oui? 1000 fois mieux que toi. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Je ne couche pas avec les hommes pour de l'argent. Au contraire, je travaille mon argent. Ah, Maka, tu as tout dit? Oui. Je couche avec les hommes pour de l'argent parce que je sais comment ma vie sera. Mmh. Oui. Et je vais bientôt me marier. Je suis une reine. T'es juste une salope bon marché. Oui, je suis d'accord. Je suis une salope bon marché. J'accepte. Toi et moi savons qu'on me paye. Ils me payent pour ce que je fais, pas comme toi, qui le fais gratuitement. Sais-tu qu'ils me payent pour parler? Ils payent pour me voir toute seule, me remercier d'être venue. Tu es en fait la traînée la plus moins chère que j'ai vue dans ma vie. Tu payes Udo pour coucher avec toi? Es-tu stupide? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? N'as-tu pas de respect pour tes aînés? Oh. Allô, Debbie? Je veux que tu me rendes un service. Hein? Qu'est-ce que c'est? Je veux que tu séduises Udo, le petit ami de ma sœur. Je veux que tu le fasses tomber. Je veux que ma sœur vous attrape ensemble. Oh, Debbie, il y a un sérieux problème. Il y a un petit problème. Je n'ai rien à faire avec cet homme. Il est trop sale à mon goût. Je ne peux pas. Je ne peux pas permettre qu'il touche à mon corps. Je ne peux pas, je suis désolée. Allez, fais ça pour moi. Je veux ouvrir les yeux de ma sœur, qu'elle voit la réalité. Parce que prendre mes choses ne l'aide pas. Fais-lui réaliser que les hommes n'en valent pas la peine. Ça me répugne, cet ignare. Aïe, Debbie, toi-même. Regarde, une belle femme comme moi. Je me donne à Udo, les gens vont dire un homme qui n'arrive même pas à manger. Non, c'est plus bas que mon statut. Debbie, s'il te plaît. Je ne te demande pas de sortir avec lui. Juste, séduis-le et fais en sorte que ma sœur puisse le voir. D'accord, tout ce que tu voudras. Tu sais que je ne peux rien te refuser. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire pour ta sœur. S'il te plaît, je voulais te voir pour que tu me donnes quelque chose. Oh, Malika. Tu fais du très bon travail. Watagofu. Oku watafu. Watamfu. La partie des épaules de Sissi est de 4. En coupant l'autre, il faut mesurer 21. Watomo yoboko kiritwe. Ok, de côté. Ah, oui, oui. Matamano igo matamabu. Oh, wow. And then. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que tu fais ici? Nina, Biko, tu sais que je suis l'homme de la maison. Ceci étant, je suis le président et le chef exécutif de cette entreprise. Alors, permets-moi de m'occuper de notre visiteur. Beauté divine. somptueux. Belle fille. Udo. Maman. Omoma Saro. Fille très pleine. S'il te plaît, comment puis-je t'aider dans notre conglomérat? Je me suis dit, est-ce que c'est possible de venir apprendre à coudre? Je me suis répondu, je suis maintenant une bonne fille. Attends, après m'avoir insultée, hein? Attends! Maman! Udo! Maman! Udo! Maman! Cello? Pourquoi veux-tu apprendre la couture? Aussi bien que je me souviens, toi et ma sœur avaient dit que vous ne voulez aucun stress. Udo! Maman! Wagonu. Hein? Yoma wagonu. Donc, pourquoi veux-tu coudre maintenant? Nina, ressaisis-toi, oh. Hein? Ressaisis-toi. Écoute, les hommes sont des ordures. Désolée. Arrête de pleurer. Pourquoi veux-tu apprendre la couture? Nina, les hommes sont méchants, oh. Les hommes sont méchants. L'homme va détruire ta vie. Tu connais le dernier homme avec qui j'étais. Il m'a mis en haut.
en bas, sur le foyer et au-dessus du frigo, hein? Dans la cuisine. Je ne sais pas là où il ne m'a pas pris. Et tu sais quoi, Nina? Quoi? Ojogé. Maman. Ah, nous sommes ensemble dans cette situation, non? Ah, oh, Nina, il m'a donné 200 naira. Non. Attends. Non, ça doit être un homme très méchant. Comment un homme raisonnable et un être humain réfléchi peut... Oui. À une très belle femme comme toi. Pourquoi? Osons-le comme un sommeil à 500. Odo. Maman. Odo. Maman. Odo. Maman. Odo. Maman. Odo. Odo. Hein? Maman, écoute, le fait est que elle a besoin de notre aide. Tu comprends? Aidons les pauvres. C'est une pauvre qui a besoin d'aide. Iwata gofu. Oku watamfu. Ah, watamfu. Udo, arotamfu. Nina, je suis déjà une bonne fille. Hein. Je m'en vais à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et même dimanche. Eh où tu maman, comme je disais toujours, par les pouvoirs qui me sont assignés, en tant que le responsable, entendu ici, je te souhaite officiellement et formellement la bienvenue dans notre puissante entreprise. Tu peux commencer à travailler immédiatement. Hein? Que Dieu te bénisse. Commence à travailler maintenant. Oh, Dieu va te bénir. Ça veut dire quoi? Attends, ne m'écrase pas. Tu dois commencer à travailler. Ces morceaux de tissu là-bas. Ok, ramasse ces morceaux de tissu. J'étais embauché. Est-ce que c'est oui, c'est tout cela. Oui, ceci? Apporte les autres là aussi. Ok. Donne-moi celui à côté de l'arbre. Ceci. Tout ça, c'est quoi? Est-ce que c'est ceci? Tout ça, ça va. C'est assez. Apporte les. Je suis en train de travailler. Odo! Maman. Odo! Maman. Odo! Mba! Qu'est-ce qui ne va pas ici? Papa. Papa, s'il te plaît, arrête de t'inquiéter. Tu peux développer un arrêt cardiaque. Je suis sûre que peu importe où elle se trouve en ce moment, elle va bien. Je ne sais pas là où j'ai échoué pour mériter une fille comme ça. Quel genre de fille idiote laisserait la maison de son père sans dire à personne là où elle se trouve? Regarde-leur, elle ne prend pas les appels. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa, Déborah ne prendra ou ne rappellera personne aussi longtemps qu'elle sera là. Elle va nous appeler quand elle va vouloir rentrer à la maison. Papa, regarde-le, elle ne rentrera pas aujourd'hui. Tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler? Quelle femme, jeune femme, a le courage de dormir chez un homme alors que cet homme ne l'a pas encore doté? Et cette idiote, c'est ma propre fille. Quel genre de vie mènent les enfants d'aujourd'hui? Quel est le genre de vie qu'ils mènent? Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Papa, Déborah est une adulte et elle a choisi la vie qu'elle veut mener. S'il te plaît, elle est bien où elle se trouve. Arrête de t'inquiéter pour elle, papa. Arrête. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais lui parler. Je ne sais plus comment faire d'elle. Parce que c'est évident. C'est évident qu'elle a trop vite grandi. On ne peut plus là-bas. Sinon, je l'aurais déjà fait. Obrigable, capitaine. Mais il faudrait lui faire comprendre que cette vie qu'elle a choisi de mener va la conduire à sa propre destruction. Aide-moi à lui parler. Peux-tu le faire en tant que grande sœur? Papa, je le veux bien. Tu sais que je le fais. Mais elle ne me donne pas le moindre respect, papa. Donc, il n'y a rien que je puisse faire. Alors? J'ai essayé. Et si elle est en danger au moment où on parle? Ndugureami. Place-toi bien. Combien pour ta poitrine? C'est 27.
Seulement ça ne peut pas être 127. Ça doit être 140. Laisse-moi mesurer par ici. Vois qu'à toi, pète. Ok, vas-y, mesure. C'est 42. Oh. Je t'ai bien C'est 42. il faut que je mesure le contour. Eh, comment mesure-t-on ici? Oui, pour mesurer ici. Oui. La personne doit se courber un peu. Oh, comme oui, ça? Oui, comme ça. Oh, courbe-toi. Mais attends! Comme ça. Wow, wow. Quand tu as ça, c'est toi qui écris, tu as dit. Quand tu as ça, c'est quoi qui écris? C'est 82. Je vais continuer. T'es sûr? Ok, c'est bon, maman, es-tu sûre que tu peux... Oui. Je vais t'apprendre tout ce dont tu veux savoir. Ah, Nena, mais calme-toi. Hein? Je comprends, c'est pas grave. Je ne suis pas fâchée. Écoute, il n'y a pas une seule fille qui n'a pas peur que je sois près de son âme. Ah, à cause des choses dont je... Kametikenoni. Non, non. Omarika, tu dois finir ce que tu racontes, hein, Iwatago. Opono kokwa babogi. Maman, oku watafu, iwatagofu, watagopuno opuno, ah ah, continue. Chizoba, qu'est-ce que tu essayes de dire? Ok, que je parle. Tu vois mon ex, il se baladait dans tout le village pour demander aux gens de me supplier. Il se couchait à même le sol. Il disait que je lui manquais, tu sais, à cause des petites choses que je lui faisais de temps en temps. S'il te plaît, je vais écouter les petites choses comme quoi. Hein, maman? Maman, maman. Je peux continuer? Vas-y, finissons-en. Premièrement, la langue. Ensuite, les mains. Mais quand je suis fatiguée, hein, la seule technique que j'utilise... Je veux l'entendre. Godi Betty. Chizoba, Chizoba, peux-tu rester tranquille? Pourquoi? Reste tranquille. C'est très désagréable. Maman, il n'y a rien de dégoûtant ici, hein, maman? Tout ce qu'elle dit a un sens, il n'y a rien de dégoûtant ici. Oh, Malicha, Biko, continue, finis de parler, je veux tout entendre. C'est parce que je suis un enfant de Dieu. Non, je suis un enfant de Dieu, donc ce n'est pas comme si tout ce que je disais était dégoûtant. Dis la vérité et la vérité te rendra libre. Je suis pas venue sur terre souffrir. Hey, si je suis les politiciens, ils n'aiment pas s'amuser. Ah, qu'est-ce que je suis belle. Quelle beauté. Papa, bonjour. Inalei. Bakashineke. Écoute, je ne sais pas pourquoi tu te maquilles. Je ne sais pas pourquoi tu peins ton visage. Mais je te dis, jusqu'à nouvel ordre, tu ne sortiras pas de cette maison. Hein? Tu es interdite de sortir de cette concession. Mais éventuellement, si tu veux sortir, le seul endroit où tu vas aller, c'est à ma boutique. Alors, si tu peins ton visage, tu peins ton visage dans la seule mesure où tu vas venir à la boutique. Ce sera désormais ton boulot. Papa, je ne vais pas venir dans ta boutique. Je ne veux pas être une commerçante. Quand j'aurai mon diplôme, je vais postuler pour un travail de bureau. Et là, je vivrai ma vie comme je veux la vivre. Et dans ton petit cerveau d'oiseau, tu es sûr que quand tu auras ton diplôme, il y a un bureau qui t'attend quelque part, n'est-ce pas? Bien sûr, papa, bien sûr. Il n'y a là. Bien, je te dis maintenant, je te donne deux options. Si tu vis ici, dans ma maison, tu dois respecter mes règles. Dans le cas où tu ne veux pas vivre selon mes règles, puis tu fais tes propres règles. Mais alors, ces règles que tu auras faites, tu vas les appliquer ailleurs, pas ici. Papa, es-tu en train de me chasser indirectement de ta maison? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je t'ai juste donné deux options. Et c'est très clair. Tu vis sous mes règles dans ma propre maison. Ou tu établis les tiennes et vis ailleurs. Tu peux continuer à te peindre. Si ce que tu as acheté ne suffit pas, tu peux aller dans le vieux sac de ta mère. Hein? Tu verras ces choses. Tu peux les prendre. Mais après avoir tout peint, tu peux venir dans ma boutique.
Désormais, c'est ton boulot. Papa, je ne peux pas venir dans ta boutique. Tu ne peux pas m'empêcher de vivre ma vie. Tu n'es pas mon Dieu. Je suis une adulte. Je n'ai pas de problème avec ça. Tu es adulte et je suis le père de cet adulte. Cet adulte m'appartient et je suis celui qui dira à l'adulte comment vivre la vie des adultes. Papa, tu vas t'asseoir ici et ne rien faire? Le téléphone de ma sœur est éteint et elle pourrait être en danger. Écoute, je ne vais pas me tuer à cause de ta petite sœur. Mes parents ne se sont pas tués à cause de moi, ok? Papa, tu n'aurais pas dû demander qu'elle parte. Tu connais ses habitudes. Mais je lui ai pas demandé de partir. Je lui ai simplement donné deux options. Et si elle était une femme décente, qui sait ce qui est bien pour elle, elle aurait certainement fait ce que j'attendais d'elle. Mais elle a décidé de faire le concret. En quoi est-ce de ma faute? Je corrigeais juste ta sœur parce que je ne pourrais jamais la regarder. Devenir irrécupérable sous mes yeux. Adèle bien, mais... Ok? Papa, je te comprends, mais regarde dans quoi ça nous a mis. Tu sais quoi, Nena? Arrête de t'en faire à cause de ta petite sœur. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Elle a pris l'habitude à faire des bêtises. Et finalement, je me retrouve aussi en train de dire des bêtises. Arrête de t'inquiéter pour elle. Peut-être elle va revenir demain. Je sais que c'est toujours comme ça. Et je ne veux plus parler de cette histoire, s'il te plaît. Papa, je ne pense pas qu'elle va rentrer. Regarde-le, son téléphone est éteint. Le même doigt qui a éteint ce téléphone va également allumer le même téléphone. Ne te dérange pas, hein? Du moment où tu commences à te comporter comme une folle, on va te suivre aveuglément. Makindara. Je prie juste que rien ne lui arrive. C'est tout. Moi, je m'en fous. Shizuba, où est ta copine? Je ne sais pas. Je ne sais pas là où elle se trouve. Tu es sûre? Mm-hmm. Shizuba, tu connais toujours là où elle se trouve. En effet, je peux clairement dire que tu es la seule personne qui connaît ses mouvements. Mm-hmm. Pourquoi devais-je te croire maintenant? Monsieur, je l'ai déjà dit à tout le monde. J'ai déjà dit ça à tout le monde. Je suis née de nouveau. Je vais à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu peux me demander, Nene. J'ai arrêté de parler avec elle depuis que j'étudie la haute couture. Depuis que j'ai décidé d'être une bonne fille. Elle ne m'a plus rien dit. Makachi. Je te crois. Je te crois. Ce que je vais dire est que... si tu découvres quelque chose, si éventuellement tu as des informations que tu crois qu'elles pourraient être importantes, tu viens me les donner, d'accord? Pardon? Si éventuellement... Tu as des informations, tu me les passes, n'est-ce pas? Ça c'est si on se voit, n'est-ce pas? Oui. Tu viens grand me dire. Oui, oui. Pas de problème. Mamounia Diona. N'oublie pas d'aller à l'église. Négo. Naula.
Luka Barakoukoum. Je vais à l'église lundi, mardi, mercredi. Mais c'est toujours le diable qu'on voit. Gouchera, bébé, calme-toi, non? Oh, je ne peux pas accepter de perdre mon unique sœur. Je... Odo, je ne sais plus quoi faire. J'ai déjà demandé à tout le monde et personne ne sait où elle se trouve. Bébé, tu sais que ce n'est pas la première fois qu'elle part de la maison sans donner de nouvelles à personne. Tu comprends? Ce n'est pas comme si c'est la première fois que ça arrive. Non! Ce n'est pas le cas. Cela veut dire qu'elle va rentrer bientôt. Iwatagofu. Iwatafu. Oui, je sais. Mais elle n'a pas l'habitude de le faire. Son numéro, son téléphone est éteint. À quelque part en train de jouer sa meilleure vie et vous êtes là à couler des larmes pour elle. Chizoba. Ogene. Pourquoi dis-tu que ma sœur est quelque part en train de se régaler? Pourtant, tu as dit ne pas connaître où elle se trouve. Quelqu'un qui quitte la maison avec ses deux pieds et qui éteint son téléphone. N'est-ce pas pour s'amuser? Vous m'étonnez. Chizoba, s'il te plaît. Dis-moi où est ma sœur et je te promets de ne plus jamais t'embêter, s'il te plaît. Non, qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme s'il y a quelque chose que tu ne nous dis pas. C'est maintenant évident que tu connais où Déborah se trouve. Dis-nous où Déborah se trouve et nous n'allons plus te déranger. Iwatagofu, otakme iwatafu. S'il y a quelque chose que je ne vous dis pas, trouvez-la. Mais qu'est-ce qu'il y a? Les cris, les pleurs, les plaintes. Mais vraiment, je ne... comprends pas ce qui vous arrive. Écoutez, si vous ne voulez plus rien m'apprendre, si vous ne voulez plus m'apprendre la couture, mieux vaut me dire. Comme ça, je vais rentrer chez moi tout de suite. Parce que c'est comme ça qu'on insulte les gens un peu comme une idiote. Regarde cette pauvre bâtarde que nous essayons d'aider dans la vie. Maman, Iwatagofu. Opuwatafu, regarde-moi cette idiote qu'on essaye d'aider. Une idiote pauvre et affamée. Iwatafu. Opuwatagofu. Non, laisse-moi te dire, peu importe ce qui est arrivé à ta sœur. Déborah, tu vois cette fille, elle doit le savoir. Bébé. Bébé. Pourquoi tu as été aussi long? Oh, mon amour, je suis désolée. J'étais en réunion d'affaires. Alors, quand m'amènes-tu au cinéma? Je t'attendais. Au cinéma? Oui. Ok, d'accord. Laisse-moi passer 2-3 coups de fil pour le travail, puis on prend la route. Tu n'as pas fini. Non, j'ai pas fini. Mais t'inquiète, Thierry, je vais me dépêcher, ok? Je comprends. D'accord, je vais me dépêcher, ok? Ok. D'accord. Ne mets pas long. Non, je vais pas mettre long. Je suis juste venu parce que je savais que tu m'attendais. Ok. D'accord. Ok. Je reviens tout de suite. Je ok, t'attends. Maman. Ouais. À plus tard, bébé. Ok. Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. Ok. Je vais au cinéma. J'ai hâte d'aller au cinéma avec mon bébé. Oh mon Dieu! Papa, sois la bienvenue. Comment tu vas, ma fille? Bien, du nouveau? Bien. Au moins, j'ai pu donner l'argent qu'avait demandé la police pour effectuer des recherches. Donc, il y a espoir? La meilleure chose à faire est de garder l'espoir.
Aïe. Et s'il n'arrive pas à la trouver? Bien. Ils ont promis qu'ils feront de leur mieux. Et je veux donner à la police. Je veux leur donner la chance. La chance de faire leur travail. Je crois qu'ils feront leur travail. Mais papa, j'ai peur. Peur de quoi? Écoute, tu ne dois pas avoir peur. Et dans cette partie du monde, la police fait les choses bien quand l'argent est en jeu. Et je leur ai donné de l'argent. Et j'ai toutes les raisons de croire qu'ils feront leur travail. On te l'adore, tout ira bien. Ok, pas de problème. Où est Genedje? Ok, bien, Naga. Ok. Ogini, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, je faisais semblant de ne pas voir que tu me donnais le feu vert, tu vois, tu comprends? Je faisais semblant parce que je voulais être sûr de ce que je vois. Je faisais semblant depuis tout ce temps. Ce n'est pas bien. Tu vois, en amour, hein, il faut toujours être sûr que la personne a les mêmes sentiments que toi. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Maintenant que tu sais comment on procède... Tu ne sais pas ce qu'on doit faire. C'est toi qui dois me dire ce qu'on doit faire. Oh non, c'est pour jeudi. J'ai dit en bas. Tu dois me dire où ma sœur Déborah se trouve. Si tu refuses de le faire, sans problème. Mets-toi juste dans la tête que je vais te déshabiller ici et maintenant. Oui. Et je vais prendre des vidéos pour poster sur les réseaux sociaux. Oui. Dis-nous où se trouve Déborah. Mais, vous voulez bien m'expliquer ce qui se passe là? Et puis d'où sortez-vous? Et puis de quoi parlez-vous? Vous parlez de quoi? Écoute, hein, si tu ne nous dis pas où Déborah se trouve, nous allons te faire exactement ce qu'elle a dit. Te déshabiller ici, à Gotawatodo. Non, te mettre nu. Je vais faire des vidéos de toi. Et je vais les poster partout sur les réseaux. Nieku. Hein? Vous ne pouvez rien me faire. Donc, ce que vous dites là, vous le pensez. Shizuba, vous venez me menacer comme ça. Vous croyez que j'aurai... Je n'ai peur de personne parmi vous. Essayez, elle ou toi, je vous mélange, je vous tape tous les deux. Maman. Ta mère, mon nom. Shizuba. Est-ce déjà commencé avec toi? Shizuba, je ne suis pas ici pour échanger les mots avec toi. Si tu refuses de le faire maintenant... Je vais personnellement te déshabiller comme tu l'as fait la dernière fois. Nena, et je vais poster dans tous les réseaux sociaux. Nena, pourquoi tu parles ainsi gros français comme ça? Écoute-moi, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu veux que je te dise quelque chose, ce sera une condition. Ngigona kako condition? Tu n'as plus de choix maintenant. Je n'ai pas de choix? Pas du tout. Ok, je m'en vais. Maman! Maman, déshabille-la! Maman! Eh, maman! Tu t'amuses avec moi? Hé, hey, maman! Allô, bébé? Je t'ai dit, non? Je t'ai dit que j'ai quelques affaires à gérer au moment où je te parle, je suis à Abuja. Hein? Oh, ne t'en fais pas, tu es mon amour. Comment va ta mère? Ok. Ok, t'inquiète pas. Je vais t'envoyer de l'argent, tu pourras donner à ta mère. Ok? Je ferai n'importe quoi pour toi, bébé. Je ferai tout, d'accord? Ok, d'accord, je te rappelle plus tard. D'accord, bye, je t'aime. Mugo. Alors, nous t'avons donné de l'argent que tu as demandé. Peux-tu nous dire... Tu prends les devants comme si... Est-ce que c'est ton argent? Nous t'avons donné... Genre, c'est ton argent. Et tu comptes. Où est ma sœur? Allons-y. C'est même combien au point où les gens ne font que me mettre la pression. Ce n'est même pas assez.
Hein? Ce n'est même pas assez. Ce n'est même pas... Oh Dieu, ce n'est même pas assez. Regardez. Si tu pouvais savoir où j'ai pris cet argent. Ah! Tu vas remercier Dieu d'avoir vu l'argent. Ah. S'il te plaît, où est ma sœur? Amène-moi là-bas, je suis fatiguée. Dis-nous, Déborah, ah. Si tu es ici à compter et recompter de l'argent. Ils ont un petit peu zénogono. Un petit peu le gono. Ha! Écoutez, vous me devez. Vous me devez. C'est à cause de l'église où je vais le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est Maman. Pourquoi je voudrais vous aider. Mais sachez que vous me devez encore de l'argent. Va nous montrer où est ma sœur. Maman, tu vois cette fille, je ne lui fais pas confiance. Tu l'as remarqué? Je ne lui fais pas confiance. Ah, laisse tomber. Va nous montrer, on y va maintenant ou plus tard. Choisis. Va nous montrer où Déborah se trouve, nous t'avons donné de l'argent, non? Mon père m'a refusé, il m'a interdit de sortir de la maison. Et je ne sais quoi faire. La faute vient de toi. Moi? C'est ton erreur, oui, tu es la cause. C'est parce que tu as dit à ton père que tu t'en vas en ville chercher Déborah. C'est pour ça qu'il t'interdit de sortir. Non! Tu aurais dû dire à ton père que tu t'en vas autre part. Bah! Non, non. Je n'ai pas dit à mon père que je partais chercher Déborah. Je lui ai juste dit que je partais en ville voir ma tante. Dans ce cas, hein, comme ton père t'a interdit de partir, hein, je te suggère, je suggère que tu me donnes de l'argent. Tu me donnes de l'argent, comme ça j'irai en ville moi-même. Cherchez Déborah. Tu ne me fais pas cadeau de l'argent. L'argent que tu vas me donner sera pour le transport. L'argent de l'hôtel pour le logement. Mon alimentation et d'autres logistiques. Tu comprends? Et je te promets que dès que tu me donneras cet argent, j'irai directement en ville. Traîner Déborah et la ramener dans cette maison. Iwatagofu. Awataramfu. Donc, tu ne peux rien faire pour moi sans me demander de l'argent? Pourquoi tu aimes tant me prendre de l'argent? Cet argent que tu me donnes, ce n'est pas pour m'acheter ou... Hein? Tu ne me donnes pas... Tu ne payes pas mon temps. Tu ne me donnes pas de l'argent juste pour des dépenses nécessaires. Dont j'aurais besoin juste un peu pour pouvoir ramener ta sœur à la maison. Je ne te donne pas aussi mon temps. Est-ce que je te demande de l'argent? Je croyais que tu disais m'aimer. Hein? Maman, wata zi kwa la fou. Ifana, zi kwa la bifo. Bien, je ne sais pas pourquoi tu bavardes. Je sais que tu fais tout ça parce que je n'ai pas encore de l'argent. Pas de problème avec du temps. Je sais que Dieu va me bénir. Et j'aurai de l'argent. Continue de me traiter n'importe comment. Continue de me traiter comme tu veux. Ah, bébé, je suis désolée. C'est pas ce que je voulais dire. Tu sais que je t'aime beaucoup, hein? Je suis désolée. Maman? Papa. Maman? Papa. Et l'argent que je t'ai demandé, tu vas toujours me donner? Papa? Comment ça s'est passé? Il demande toujours de l'argent. Plus d'argent et encore d'argent et continue à rendre l'argent disponible. Mais ils ne disent rien si ce n'est que ce que je vais entendre pour me faire garder espoir. Papa, ne t'en fais pas. Je crois fortement que Déborah va bien, peu importe où elle se trouve. Et je pense qu'elle est fâchée contre nous et a décidé de rester loin de tout le monde. Fâchée contre nous, pourquoi? Et pour combien de temps va-t-elle rester loin de nous? Je ne sais quoi dire. Sérieusement. Papa, ne t'en fais pas. Elle va rentrer bientôt. Oh? Je l'espère. Je l'espère vraiment. Papa. Les inscriptions sont en cours. Je dois m'inscrire à l'école. Et faut me bonne. Papa, si possible avant que la grève ne se termine. Papa, je veux effectuer le paiement avant que l'école ne reprenne. Quand veux-tu faire ton inscription? Mardi.
Pas de problème. Je veux juste que tu additionnes tout ce dont tu auras besoin. Totalise. Je suis intéressé par le total. Et je verrai ce que je pourrais faire. Tu as fini de cuisiner? Oui. Je vais te servir. Tu viens déposer ici, hein, sur la table. J'arrive. Papa, c'est comme si ta boisson est en train de finir. Je te l'apporte. Juste la nourriture, les autres aussi. Fille, apporte-moi juste. Oh. N'apporte plus cette bouteille. D'accord, papa. Dieu merci, vous êtes encore ici. Udo, hein? Udo, nous n'avons pas de temps pour tes bêtises ce matin. Vraiment, ne nous perds pas de temps. Rentre chez toi maintenant. Udo, hein? C'est quoi le problème? J'ai fait un terrible rêve à propos de ce voyage. Hey! Oh mon Dieu. Oh Dieu. Udo, hein? Un mauvais rêve? Oui. Joseph Olonlo. Hein? Tu as fait un rêve dangereux? Udo le voyant dit avoir fait un mauvais rêve nous concernant. Retourne à la maison et couche-toi sur le même lit que tu t'es couché, hein? Rentre là-bas, mets-toi à genoux et prie pour que nous ayons un bon voyage. Merci. Laissez-moi vous dire quelque chose, hein? Je dois venir avec vous en ville. Au cas contraire, quelque chose de mal, quelque chose de terrible pourra vous arriver en chemin. Udo, tu me fais peur. Tu me fais peur. Nena, tais-toi, Ugo, non. Tu me fais peur. Mais qu'est-ce qui te fait peur là? Vas-y, dis-moi. Tu as peur du sec, hein? T'as peur de quoi? Du rose? Et qu'est-ce que tu as mis au pied? Et ce pantalon, on peut ventrer 6 personnes. Où est-ce que tu vas? Tu t'es juste mis en tête que tu vas nous poursuivre en ville. Parce que tu n'es jamais allé en ville, c'est ça? Tu veux nous poursuivre aujourd'hui? Tu veux nous suivre comme un chien. Habillé comme ça et tu veux marcher avec nous, tu n'iras nulle part. Ce n'est même alors, pas possible. Tu n'iras nulle part. Donc tu penses que je vais blaguer avec quelque chose d'aussi sensible? Maman? Papa? Moi, je n'ai pas assez d'argent pour m'occuper de toi, oh. Je n'ai pas d'argent. Si c'est pour ça, on peut gérer. Iwatagofu. Okuwatafu. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Et pousse-toi là-bas. Non, hein? Pousse-toi là-bas. Mais qui est là? Ouvre cette porte! Mais ouvrez ce portail! Mais qui sont ces fous? Non, hein? Tu... Comme tu peux le voir, hein? Ferme d'abord la porte! Comme tu peux le voir, hein? Tu es en état d'arrestation pour le kidnapping et la séquestration. Tu as le droit de garder le silence car tout ce que tu vas dire et faire sera utilisé contre toi devant le tribunal. Si tu restes silencieux et nous dis la vérité, ta peine sera réduite. Tu parles maintenant. C'est qui cet attardé mental? Non, hein? Je veux dire, mais qui êtes-vous? Non, arrête-moi ce sac! Arrête-moi ce sac! Qu'est-ce que cela veut dire? Arrête-moi ça, c'est la dernière! Non, hein? Mais c'est besoin de... Monsieur! Je ressemble à Nena! Monsieur, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Je suis là pour voir ma sœur, Debbie. J'ai appris qu'elle est venue ici voir un ami de Facebook. On m'a donné cette adresse. S'il vous plaît, ma sœur est là. Très bien, je... Parce que tu as parlé comme une personne normale et ce que tu dis a du sens. Oui, j'en ai. Voici un duplex. D'accord, monsieur. Attardé mental, si tu ne savais pas ce que c'est, voici un duplex. Ah, mais je sais ce que c'est! Je vis seul. Hey, tu vas où, là? Je vis seul ici et il n'y a personne portant ce nom ici. Alors, pouvez-vous partir maintenant? Mais il nous prend pour des idiots, ce mec! Il nous prend pour des idiots! Écoute, entre dans cette maison maintenant, nous voulons savoir si elle est vivante ou morte. Parce que comment on peut vivre dans ce genre de maison? Tu t'imagines? Pouvez-vous imaginer? Imagine! Regardez la grande maison où il vit. Va à l'intérieur et ramène-nous des bébés. Tu vas où? Tu vas bien? Tout va bien? Oui, monsieur. Comme oui. Vous ne voulez pas partir, je vais appeler la police. Attends, c'est parce qu'on ne parle pas? Non, c'est parce qu'on ne parle pas. C'est ça? Si tu ne fais pas venir, Debbie, maintenant, nous allons brûler cette maison. Hey! Cette maison maintenant. Bon ou quoi? Si vous ne voulez pas partir, je serai obligé d'utiliser mon revolver. Hein? Revolver? Si vous êtes sage, partez. Un fusil? Mais tu as laissé ton sac derrière. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, on veut voir Debbie. Nous ne sommes pas venus.
Non, hein? Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose, hein? Laissez-moi vous dire quelque chose. Cet égaré doit bénir son ange. Cet idiot doit remercier son Dieu parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Hein? Au cas contraire, hein? Je leur ai montré ce que le chien a mangé pour que sa bouche s'allonge. Naï, néanso de Gouda. Udo. Néanso. Udo, tais-toi. Ferme ta bouche. Tais-toi. Mets-toi-nous. Ils ont juste dit chien. Chien, Udo. Tu t'es enfui. Tu t'enfuis. Maintenant, tu racontes des bêtises. Je n'ai pas un homme. Tu me demandes comment on appelle ça alors. D'ailleurs, même je ne me souviens pas de toi. Hein? Udo, regarde comment tu as tout foutu en l'air. Tu as juste tout gâté. Nous sommes allés là-bas chercher des problèmes. Au revoir, ma sœur. Pourquoi ne m'as-tu pas permis de lui parler toute seule? Pourquoi tu cries comme ça, hein? Laisse-moi te dire quelque chose. Toi aussi, laisse-moi te dire quelque chose. Ne savez-vous pas que si je n'étais pas venu avec vous, hein? Si je n'étais pas venu avec vous, cet homme vous aurait utilisé pour des rituels. Oui, je l'ai vu dans les yeux. Udo? Oui, ce sont ses yeux qu'ils ont souvent. Udo? Hein? Imetumaka. Imetumaka. Nena, je t'avais averti, je t'ai dit, laissez ce gars qui voulait venir en ville pour la première fois de rester à la maison pour qu'on aille chercher ta sœur. On n'avait pas encore fini de dire Do. Je t'ai dit, laisse-le, mais tu as refusé. Tout ça à cause de quoi? J'espère que tu le sais, parce qu'au moins toutes ces bêtises vont s'arrêter, je l'espère. Et le plus énervant est que Udo a fui. Il a fui en laissant son sac dans cette maison. Pas contre, nous avons pris les miens. Il a fui en laissant son sac. Regarde-toi. Maman. Papa. Maman. Papa. Ne fais pas attention à cette... Elle est jalouse, c'est ça le problème. Attends. Tizoba. Tizoba. Il fait bien abané. Abiena Bourudia Ouda. Tu comprends? Je veux te dire quelque chose. Maman. Papa. Peux-tu m'aider et aller prendre mon sac? Non, parce que ce gars, je l'ai vu venir. Ce gars, je ne lui fais pas confiance. Regarde cette tête. Aide-moi à aller prendre mon sac. Maman, tu peux m'aider à aller prendre mon sac? Maman, je ne fais pas confiance à ce gars. C'est quoi ces bêtises? Bonsoir, papa. C'est quoi le problème? J'ai essayé de t'appeler, mais ton numéro ne passait pas. Qu'est-ce qui se passe? Je n'avais plus de batterie. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, je ne suis pas allée faire mon inscription comme je t'avais dit. Je suis allée en ville pour voir Déborah. De quoi est-ce que tu parles? Shizoba m'a dit qu'elle sait où Déborah habite. Je ne voulais pas te dire avant d'être sûre qu'elle soit là-bas. Donc, je suis allée aujourd'hui en ville avec elle pour voir Déborah. Et comment va-t-elle? Quand est-ce qu'elle revient? Je ne sais pas. Le gars qu'on a trouvé là-bas nous a dit qu'il ne connaissait personne portant ce nom. Mais papa, j'ai la ferme conviction que Déborah est là-bas. Et si elle n'est pas là-bas? Non. Elle doit être là-bas parce que Chizoba a reconnu le gars. Elle a dit que Déborah dit qu'elle partait le voir chez lui. Donc, Déborah est chez lui. Frappe fort. Continue de toquer cette porte. Toque pour qu'elle sorte ici. Qui est-ce? Elle est bonne. Où est-elle? Vieil homme, je ne veux pas vous manquer de respect, mais sortez de chez moi. Je ne partirai pas d'ici sans ma fille. Écoute, peu importe ce qui se passe, laisse-moi au moins poser mes yeux sur elle. Monsieur, s'il vous plaît, nous voulons juste la voir. On veut la voir et on va partir, on ne viendra plus vous déranger. Elle ne veut voir personne de vous. Non, c'est toi qu'elle veut voir maintenant.
Vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est... bébé. Hey! Laisse-moi. Baba, pourquoi tu fais ça? C'est toi qui m'as demandé de faire un choix. Et je l'ai fait. Pourquoi tu te mêles de mes affaires? Je me rappelle exactement ce que je t'ai demandé de faire. Je t'ai aussi dit de penser et de repenser encore et encore. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je l'ai fait. Ne peux-tu pas voir que je suis heureuse? Je suis heureuse ici. Au moins, personne ne me demande d'aller travailler ou de venir dans ta boutique. Je suis heureuse, papa. Laisse-moi tranquille. Déborah. Bouleweke. Nous t'aimons. Et nous sommes la seule famille que tu as. Nous ne voulons que le meilleur pour toi. S'il te plaît, rentre à la maison. Écoute, nous sommes les seuls qui peuvent rester avec toi dans tous les moments, bien comme... Vas-tu te taire là-bas? Ferme-la. Je sais ce que j'ai fait. J'ai fait tout mon possible pour faire de toi un citoyen responsable dans ce pays. Devenu une personne responsable dans la société. Mais regarde ce que tu es devenu. Regarde ce que tu deviens. On peut sans doute forcer une chèvre à aller à la rivière. Mais ce qu'on ne sait pas, qu'il est impossible de forcer cette chèvre de s'abreuver dans cette rivière. Et tu sais qui est vraiment la chèvre? Je suis heureuse que tu aies réalisé ça. Bien, je pense que c'est une bonne chose de te voir. Maintenant, je sais que tu as envie. Même si tu mènes une vie claire et responsable. Mais, tu t'amuses. Mais laisse-moi te dire quelque chose, Déborah. Si moi, je pars d'ici sans toi, tu peux noter ça quelque part. Tu peux oublier qu'un jour, tu as eu un père. Hey, papa. Ne t'en fais pas. Papa, s'il te plaît, ne dis pas ça. Pas de problème. Déborah, s'il te plaît, écoute-moi. Rentre à la maison, s'il te plaît. Hey. As-tu compris ce que papa vient de dire? Va-t'en. Peux-tu te dégager d'ici? Je suis ton père. Et ferme. Déborah, osez quoi, ma. Déborah. Ton père n'a même pas peur de venir déranger les gens chez eux et de dire des conneries. Et c'est comme ça que vous vivez là-bas? Il n'est plus mon père. Oh, il t'a renié? Oui. Mon bébé d'amour. Allons-y, bébé, je vais te donner beaucoup, beaucoup d'amour. Hein? Beaucoup, beaucoup d'amour. Qu'ai-je fait de mal? J'ai fait de mon mieux pour que ces enfants soient des citoyens responsables du monde, même à l'absence de leur mère. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vais parler à nos deux enfants et ils vont m'écouter. Et ils deviennent toujours brillants. Pourquoi mes enfants sont différents? À quel moment ai-je échoué? Quand exactement? Que dois-je faire? Papa, s'il te plaît, arrête de trop réfléchir. Nous avons souvent besoin de beaucoup d'expérience pour pouvoir comprendre pourquoi les choses arrivent. T'as fait de ton mieux. Et c'est ce que chaque parent peut offrir à son enfant. Je crois qu'après cette expérience, ça serait clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Mais elle ne sait pas encore. J'ai l'impression que j'ai été clôture avec elle. Non, papa. Tu n'as jamais été dur avec nous. Ah, la vérité est que, peu importe combien tu essayes de lever un enfant, il ou elle ira toujours chercher à explorer leur style de vie. Ce qui est bien est que, ils apprennent toujours une leçon à la fin de leurs explorations. Je prie. Et je souhaite. Je souhaite qu'elle apprenne quelque chose. Quelque chose de bien de toutes ces expériences par lesquelles elle... Papa, elle apprendra. Tu dois manger.
Laisse-moi t'apporter de quoi manger, papa. Donne-moi ça, je vais garder. Maman, qu'est-ce que tu as dit que tu voulais? Ok. Dis-le, parle, peu importe ce que c'est. Ia, même si c'est de l'argent, dis-le. Ok. Je veux participer au concours dont je t'avais parlé. Je veux réussir comme ça. Tu pourras essuyer les larmes de mon père. Non. Maman, tu as oublié que je suis l'homme ici. C'est à moi de concourir, comme ça je vais réussir pour nous deux. Quand je vais réussir, tu pourras aller rendre ton père heureux. Ne sais-tu pas que c'est le moment pour nous de commencer à construire notre avenir? Iwatagofu, Okuwatafu, on commence à construire notre avenir maintenant. Hein? Mon amour, tu peux aussi concourir si tu le veux. Ce que tu dis est très absurde. Comment veux-tu qu'on concourt l'un contre l'autre? Ce n'est pas bien, non? Ce n'est pas cool. Et j'ai déjà dit à mon père que je vais concourir. Na o chokugo. C'est ce prénom? Tu dois le dire à ton père que c'est moi qui vais concourir. En tant que ton mari, non? Okuwatafu. Iwatagofu. Hein? Bébé. Hein? Ceci me surprend. Na o chokugo fana. Tu comprends? Maman. Qu'est-ce que... Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ceci veut dire? Chérie, c'est quoi le problème? Qui est ma reine? Ma reine? Oui, elle t'a envoyé un message. Qui est ma reine? Ah, ma petite sœur. Ah, j'aurais dû te dire, bébé. Ta petite sœur, hein? Mm-hmm. Et elle t'envoie un message pour dire qu'elle est seule et qu'elle a envie de toi. Juste, chérie. Chérie, mais tu n'as encore rien vu. Ma petite sœur, elle est folle. C'est une malade. Et dans tous les cas, porte le téléphone, je vais l'appeler. Elle voulait te parler. C'est hilarant. Donc tu espères que je crois à ça? Bébé, allez, viens près de moi, chérie. Assieds-toi à côté du papa. Je ne vais pas m'asseoir auprès de toi, moi, ce que tu me dis qui est ma reine. Je ne te crois pas. Donne-moi le téléphone. Allez. Viens, je vais t'expliquer. Tu veux des explications? Oui, je veux des explications. Explique-moi ça. Allez, bébé. D'accord, ne t'en fais pas. Quand elle va venir ici, elle va te choquer. De toutes les façons, je vais l'appeler plus tard quand je vais charger mon téléphone. Non, tu as dit que tu vas l'appeler maintenant. Appelle-la maintenant. On ne va pas l'appeler quand tu es fâché. D'accord, elle va te choquer le jour qu'elle viendra ici. C'est une grande folle, cette fille. Oui, c'est ma préférée. Ta préférée. Bébé, allez, fais-moi un sourire. Je ne vais pas sourire parce que je te crois pas. Allez, arrête. Allez, fais un sourire pour papa. Comment ta sœur peut-elle te dire qu'elle a un monde? Hey, ma sœur peut me dire. Hey, bébé, hey, chérie, je veux faire l'amour. Elle est comme ça. Gare, c'est comment quoi de neuf? Gare, cette fille, elle dérange. Mec, elle ne veut pas partir. Ce n'est pas la fille que j'ai rencontrée sur le méta. Oui, cette fille, la fille du méta, oui. Cette fille est amoureuse. Et elle veut une relation sérieuse. Et moi, je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Viens, mon secours, mec. Je vais te faire la passe. Tu ne vas pas mourir. Ok. D'accord. Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Bonsoir, monsieur. Monsieur, je suis venue vous dire que je ressens au profond de moi
que Debbie est en danger. Et écoutez, tout ce qu'elle a fait, je n'étais pas du tout d'accord avec elle. J'ai été Comment dans es-tu le... venue en conclure qu'elle pourrait être en danger? Parce que quand je lui ai parlé, hein, je l'ai ressenti dans mon cœur que ce boy n'était pas un bon garçon. Même pas un peu. Pas du tout. Moi... Arami Wando, que ce soit la dernière de ta vie, ta misérable vie, que tu viennes dans cette maison, mais dis quoi que ce soit à propos de Déborah. Tu as compris? C'est juste parce que je voulais... Hé, je demande, est-ce que tu as compris? Oui, monsieur. Dégage. Ah, reviens ici. Reviens ici. Monsieur? N'as-tu rien d'autre à faire, mis à part te balader dans ce village pour avoir des sujets de commérage? Oui. Sors d'ici. Le problème, c'est que... Hé, sors d'ici. Oh, tiens, comment? Des biens en danger, tu n'es pour rien. Il y a garo chongouya. Nara. Il y a quelqu'un? Udo? 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 Qu'est-ce que tu fais ici? ok, alors, tu sais, depuis que ton père m'a mis dehors, hein, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je vienne voir, tu comprends? C'est pourquoi je regardais... je voudrais juste demander Udo. Je voudrais qu'il m'apprenne quelques petites choses. Je ne voudrais pas oublier tout ce que j'ai appris. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire que tout ce qu'on t'enseigne, tu dois apprendre. Chizoba, je crois bien t'avoir dit que les cours ont été suspendus. Oui, jusqu'après le concours. Non, j'ai appris cela, mais le problème est que... Est-ce que Udo va aussi concourir? Oui, oui. Tu sais qu'Udo m'aime tellement. Et quand on parle d'amour, deux personnes deviennent un. Oui. Eh bien, un plus un est égal à un. Un plus un égal à deux, mais nous n'avons pas besoin de parler de ça. Oui. Alors, Udo, vous cherchez de l'argent? Oui, oui. C'est bon, je comprends la pauvreté. Ça va, c'est bon. Oui, ne reviens plus à la maison, ok? Hein? Oui, nous sommes occupés avec les préparatifs. Je veux dire, après avoir trouvé de l'argent, nous te dirons si tu vas continuer avec les cours ou non. C'est comme ça que vous traitez les clients. Soit vous cherchez de l'argent, soit vous me formez. Vous devez avoir... l'esprit de chrétien en vous. Vous voyez la manière dont je me suis repentie? J'ai besoin de garder l'enseignement que vous m'avez donné. L'esprit de chrétien voudrait que vous continuiez de me former. Pas de problème, nous allons te former. Donc, devait continuer de m'enseigner. Ne t'en fais pas, je vais t'apprendre après le concours. Chizoba. Chemielu, omo kwa highway. Chelo mo highway. Ha 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 ha!
Papa, papa, tu es là. Bienvenue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu de si bonne humeur? Papa, si tu vois cette vidéo, tu vas rire plus que moi. Ah, c'est très amusant. Comment ça se fait que tu sois moins occupé ces jours? Toujours en train de t'amuser, à ne rien faire. Est-ce que ça veut dire que tu ne te prépares plus pour le concours dont tu m'as parlé? Banou, papa. Bam, 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 bam. Udo ira le faire. Comment? Je veux dire, comment ça se fait? Hey, papa, ne me comprends-tu pas? Ogivon. Udo, mon daddy, nous avons décidé de réunir nos forces pour gagner et rentrer avec l'argent. Tu t'entends parler? Pourquoi dans ta vie, tu ne peux pas éviter que ces bêtises te traversent l'esprit? Je ne comprends pas. Maintenant, ok, donc tu veux mettre une pause dans ta vie à cause d'un homme. Quelque chose en toi te dit que c'est pour ça que cet homme va rester avec toi. Ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que ça marche. En effet, tout homme qui aime une femme fera toujours tout son possible pour la pousser à la réussite. Pas autre chose. Papa, je ne pense pas que tu me comprends. Oh. Tu ne dis rien. Ta-o-tam, papa. Ah! Udo, mon amour Obim. Udo et moi avons décidé de se réunir comme mari et femme. Papa, je veux juste le laisser gagner. Je ne peux pas concourir contre lui, ce n'est pas bien. Pourquoi il ne reste pas? Et toi, tu t'en vas réussir. Pour vous deux. Pourquoi? Papa, Mbao, non! C'est lui le responsable. Responsable de quoi? C'est lui l'homme. Responsable, c'est ça que tu appelles responsable. Hey! Oh, le goût belle la tasse yangri. Waouh! Laisse-moi te dire quelque chose. Tu es très, très, très douce. Je sais. Est-ce que tu sais que, si je meurs maintenant, je vais mourir étant joyeux. Tu es vraiment excellente. Si je meurs maintenant, laisse-moi te dire, je vais marcher majestueusement. Quand je serai en porte, je vais dire, de quoi c'est? Appelle-moi ça au soir. Tout ça, c'est pas. Mais pas au soir. Est-ce que tu sais que Aoudi de Nani, Ibanini, Edi Noana, Mboke Limbo ici, Oku Wataf. Quand? Vais-je te revoir encore? Pourquoi es-tu si excitée? Je veux m'assurer que cet idiot, cet Nogo ne soit pas là. Cet idiot. C'est un Ophia. Chaque fois que tu voudras me voir, appelle. Je ne gêne pas. Iwata Gofu, tu vois de quoi je parle? Hein? Tu dois partir maintenant avant qu'elle ne revienne. Appelle-la encore, idiot. C'est une très grosse idiote. Folle. C'est une folle et bête. Elle est vraiment folle et bête. Oui. Bien. Donne-moi un dernier là. Oh! Bye. Waouh! Hey! What a gofu! Non, hein? Tu es là? Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi m'as-tu demandé de venir? Bien, si tu étais venu plus tôt, tu l'aurais découvert. Tu vas me dire ce qu'elle est venue faire aujourd'hui. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Ça, c'est la même chose que je me demande. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille pour qu'à chaque fois que ma belle et douce petite amie n'est pas là, elle se permet de venir dans cette maison? Je ne comprends pas. Si tu veux venir dans cette maison, viens lorsque tu sais que mon bébé est là, lorsque tu sais que maman est là. Et lorsque tu vois que maman n'est pas là, tu hantes. Qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Je ne comprends pas. Hein?
accepter qu'elle reste, n'est-ce pas? Tu sais, il y a quelque chose que ma mère nous a toujours dit. Ma mère nous a dit que tu peux toujours refuser d'aller chez quelqu'un. Mais quand quelqu'un vient chez toi, tu n'as pas à lui dire de partir. Adage pour nous, non, il n'a bien, bien écouté. On a gagné, non, 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 ou bien. Il va t'en gaffer, au pouvoir. Ok. Et même quand tu sais qu'elle n'a pas de bonnes intentions. Maman. Papa. Maman. Papa. Le fait est que. Il n'y a aucune femme dans ce monde qui soit aussi belle comme toi. Et Masquale Malumawai. Hein? Laisse-moi te dire, hein? Le genre d'amour que je ressens pour toi, hein? Je ne vais jamais le partager avec une autre personne. Mon amour, mon cœur, t'appartiennent. Oh? Okwe Male Malumawai. Okwe Mane Ba Apunao. Okwe Mane Ba Chukuna Ba Walese. Non, hein? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça veut encore dire quoi? Ogenenena, qu'est-ce qu'il y a? Tu me perds du temps. Shizoba, je te demande ici et maintenant, devant Dieu les hommes, de laisser mon petit ami tranquille. Laisse mon petit ami, laisse Udo tranquille, Shizoba. Laisse-le tranquille. Laisse-le, reste loin de lui. Ogeni! Tu sais, à un moment, j'ai cru que tu parlais de ton père quand tu as dit ton papa. À un moment, vraiment, je me suis perdue. Alors écoute-moi. Je n'ai pas honte de te dire que je couche avec ton petit ami, mais je ne peux rien y faire par rapport à ça. C'est pourquoi tu n'es pas mariée à nous toutes dans ce village. Shizoba, donc tu n'as pas honte? Tu parles, on dirait qu'il est un gâteau. Donc tu veux à présent partager mon petit ami comme un gâteau? Hein? Madame ambitieuse, tu ne veux plus les hommes de la ville? Ne veux-tu plus des hommes qui vont te donner assez d'argent? Laisse Udo tranquille, oh. Laisse-nous, laisse mon papa tranquille, laisse mon petit ami tranquille. Je t'avertis, oh. Je ne sais pas ce que tu veux de lui. Tu t'en vas chez lui quand je ne suis pas là. Pour après me dire que tu es en train d'apprendre la couture. La couture où, mon petit ami? Shizoba! Nena! Shizoba! Nena! Shizoba! Nena, regarde! Shizoba! Très bien. Je sais que j'aime les petits amis de la ville, mais des fois tu as besoin de quelqu'un qui va t'acheter des arachis. C'est pourquoi ton petit ami m'intéresse. Tu ne peux pas faire honte à une néantée. Tu penses que j'aurais honte? Je vais encore coucher avec ton petit ami et tu ne pourras rien y faire. Et arrête de contrôler ton petit ami alors que vous n'êtes même pas mariés. Arrête ça! N'importe quoi. J'ai remarqué ton visage. J'ai remarqué ton visage. Vois bien. Tu auras affaire à moi dans ce village. Tant que tu ne décides pas de laisser mon Udo tranquille, le même petit ami, hein, que tu as traité de pauvre, te voilà le courrier derrière. Udo est à moi toute seule. Debbie, tu vas bien? Je vais très bien. Je veux juste savoir quand mon papa et toi vous allez. Ok, papa est là. Nous allons tous bien. Oh, mon forfait est sur le point de finir et je ne peux pas sortir maintenant pour recharger. Mais retire de ta banque. Mon application mobile est expirée. Peux-tu m'envoyer juste 300 naira de crédit? Je veux passer un appel important là maintenant. Debbie, que je t'envoie 300 naira de crédit? Oh, pas de problème. Je vais t'envoyer ça dès que je vais raccrocher, ok? Nguan, prends soin de toi. Je vois. C'est évident que ta sœur commence déjà à comprendre. Ivoirien. Papa, elle a demandé le crédit parce que présentement elle n'a pas de force pour sortir. Quand tu parles, tu ne comprends pas. Laisse sous-entendre des mots. L'autre fois, elle t'a demandé de l'envoyer de l'argent parce que elle avait des problèmes avec sa carte de crédit. Et puis, son application mobile ne fonctionnait pas. Elle demandait de l'argent. Et un autre jour, la même chose. Et tu es incapable de voir ça. Papa, n'es-tu pas content qu'elle puisse au moins nous appeler pour prendre de nos nouvelles? Tu sais quoi? Cette jeune fille, Déborah, n'est plus ma fille. Donc je m'en fiche de ce qu'elle fait dans sa vie. Laisse-moi te dire ce qui se passe. Tu vois cet homme qui l'héberge. Il a commencé à lui faire comprendre qu'elle n'est plus la bienvenue. Et bientôt, il va la mettre à la porte. Et malheureusement pour elle, elle va venir toquer à cette porte. Et quand ce moment va arriver, je vais lui montrer qu'elle n'est plus la bienvenue ici. Onyema, onyema, onyema le bon ra rochelo ajule.
Papa, mais elle est toujours ta fille. Elle est sortie. Quand elle va rentrer, tu gères. Il faut que vous soyez partis avant que je ne rentre. Ah, est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Mais c'est facile. Trouve juste moyen. Juste moyen de l'embobiner et puis ça va aller. Ne t'inquiète pas. Tu sais que je suis un bon gars. Ah ah, mon frère. Eh bien, écoute, tu sais que tu es plus qu'un ami pour moi. Tu es plus qu'un frère. Mais moi, là, qui vous promets. Dis-moi, comment elle est? Mais tu vas voir. Fais ton truc. Écoute-moi. Hein. Trouve le moyen de la convaincre. De venir rester chez toi une fois que c'est bon. Tu la chasses. Hey, hey, hey. Tu fais comme ça avec elle et c'est bon. N'est-ce pas? Bien sûr. Hey. On est là pour se mettre. Nah, manger à manger du. Et tu sais que je suis sincère. Donc ne t'en fais pas. Je ne vais pas te décevoir, frère. Sérieux, rassure-toi de rentrer avec elle. Mec, sûr que je ne m'amuse pas. Bonne moitié. Ne t'en fais pas, Max. Je vais le faire. Fais ça bien, mec. Mec, ne t'en fais pas. Et montre-lui que tu es un vrai homme. Max. Comme, et comme elle a un gros cul, là, tu appliques. Appliques sur. Où? Mec, tu es un génie. Dieu nous préserve, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Seigneur, tout esprit maléfique, toute forme d'esprit du mal qui rôde autour de ma sœur Debbie, qu'il brûle, le feu du Saint-Esprit. Peu importe où tu te trouves, ma sœur Debbie, je commande le feu du Saint-Esprit. Je te confie pas le sang de Jésus, il ne t'arrivera rien. Je te confie pas le sang de Jésus. Papa, papa, nous devons aller voir Déborah. J'ai fait un mauvais rêve à propos d'elle. J'ai juste l'envie de m'asseoir et déguster ma bière. Qu'est-ce qui est difficile dedans? Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça, s'il te plaît? Papa, bicone! Elle est en danger. Et s'il lui arrive quelque chose, nous n'allons pas nous le pardonner. Je le sais, Nina. Parle pour toi. Ne reste pas placé devant moi pour me parler de ton inutile de petite sœur. Je ne veux pas parler d'elle. Écoute, peu importe ce qui lui arrive, c'est de sa faute. Ça n'a rien à y voir avec toi ou à y voir avec moi. Nous avons fait de notre mieux à Igurawan. Hein? C'est bon. Papa! On ne peut pas jeter un bébé avec l'eau de son père. Celui qui s'en va chercher du bois infecté de fourmis ne doit pas se fâcher si les lézards viennent pour manger les fourmis. Fanny et Nyopopop, hein? Écoute, c'est ce que l'on sème, que l'on récolte. Peut-on se reposer maintenant? Papa, Bikono, elle est ma seule sœur. Ou bien, oh, Terry. Shizoba, Bikonu, Bikozienu, s'il te plaît, oublie tout ce que je t'ai dit. J'ai vraiment besoin de ton aide. Nena, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu me poursuis comme une chienne au Guénini. Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux que tu m'accompagnes en ville. Tu as dit? Pour que tu ailles encore m'insulter? Non, je ne vais nulle part, ce n'est pas possible. Non, personne ne doit t'insulter. Fais-le au moins pour l'amitié que tu as avec ma sœur. Elle pourrait être en danger. Tu vois ta sœur? Debbie est plus grand que le danger. Elle peut s'en sortir. Alors arrête de t'inquiéter. Ok, s'il te plaît, accompagne mon ville juste cette fois-ci. Et je ne te dérangerai plus jamais, hein? Pardon, Bikono. Isadons-moi. Ah, Udo. Hey, Max, a de nous aider, il est taille collant, non? Mon amour de Nazoua, non? Hey, Max.
Fais comment non, Max? Tu as dit que tu devais me la passer, salaud. Mais tu ne ris pas si tu as la mot, la mot. Hey, hey. Aïe. Hey, hey. Max, je croyais que tu étais mon frère. Aïe, aïe. Nati Gena Wadadiso. Aïe. Max, je croyais que tu étais mon frère. Il faut que je t'appelle. Hey. Aïe. Non. Allô, Max. Hey, Max, tu es fort. Je croyais que tu devais me donner la fille. De la mom, notre tigresse de Oganamounia. Je ne sais pas si c'est le tigre. Je ne sais. Hey, non, j'ai mal. Waniti. Max, elle faisait comme si tout allait bien. Comme si elle était avec moi. Ayusoso, Ayubobum, non, moi, shop guy. Je faisais pareil qu'elle jusqu'à ce qu'on essaye d'entrer en action. J'ai même supplié qu'elle me laisse mettre le bout. Mais elle a refusé. Hey. Je te donne toi, mec. Elle est où maintenant? Max, elle a fui. Oh, Max, j'ai sérieusement mal ici. Écoute, je ne peux pas partir d'ici maintenant. Je ne... Je serai là bientôt. Hey, je ne sais pas si je pourrais supporter ça. Oh. Max, s'il te plaît, viens. Calme-toi, tout ira bien. Tout ira bien, d'accord. Si tu vois les gars qui vont de souvent les Umbaramba, j'en aurais besoin. Hey, Max. Hey. Aïe. Nena, tu ne peux pas me provoquer. En me demandant comment est-ce que j'ai découvert. Le fait est que j'ai découvert. Et je sais que tu es en train de planifier. Voyager demain très tôt, le matin, à la recherche de cette idiote. Je veux juste que tu saches que tu ne dois pas quitter cette maison. En effet, laisse cette ville à la recherche de qui que ce soit. Mais si je fais comprendre. Oui, papa. Oui. Mais papa... Écoute. Je ne t'ai pas appelé pour que on commence à négocier. Je t'ai appelé pour te donner des instructions spécifiques. Je suis l'aîné. Et peu importe ce que tu planifies ou penses planifier, je sais. Tu ne vas aller nulle part à la recherche de cette personne. Si tu essayes, tu ne vas pas aimer comment je vais prendre ça. Je suis un homme. Et je sais exactement ce qui se passe. Tu ne sauras jamais comment j'ai découvert. Mais je sais maintenant. Et si tu me désobéis, tu ne vas pas du tout croire. Apporte-moi mon repas, ici. Oui, papa. Mec, c'est quoi l'urgence? Mais qu'est-ce qu'il y a? Max, c'est quoi l'urgence? Bienvenue. J'ai mal. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi d'abord, j'ai mal. La douleur a atteint son paroxysme. Où est-elle? Elle n'est pas encore rentrée. Oh. Ah, depuis le matin? Oui, oh. Elle a pris ses choses? Ou même? Non, elle n'a même pas pris son téléphone. Elle a laissé en fuyant. Tu n'es pas sérieux, n'est-ce pas? Aïe. Pour de vrai? Je vois le serpent gonflé. Mec, qu'est-ce que t'as foutu? S'il te plaît, tu m'as ramené ce que j'ai demandé. Tu as seulement mis quelle quantité, mec? Tu voulais montrer combien tu es fort. Voilà maintenant le résultat. Je ne veux même pas rire. Oh. Tu vas me tuer de rire, mec. Bonne fin de journée, mec. Hey, Nema, je ne veux pas rire davantage. Vraiment mec, pas. T'es sûr que tout va bien? Max, tu sais mec, quoi? T'es sûr? Donne-moi le bougambam. Tu ne vas nulle part. Au courant, t'as faux. Maman.
Ce n'est pas ce que tu crois. Es-tu stupide, hein? Comment peux-tu l'appeler pour lui raconter des bêtises? Tu es très stupide. Je suis stupide. Laisse-moi te dire quelque chose. Aucune femme ne viendra dans cette maison. Je ne le permettrai pas. Tu es folle. Et si tu n'aimes pas mon mode de vie, mets-toi dehors. Sors de ma maison. Je ne vais nulle part. Ici, c'est ma maison. Oh! Tu fais comme si tu étais le seul à avoir une maison, hein? Tu penses être le seul à avoir une maison? Vois-tu, moi aussi j'ai une maison. Mais tu vois cette maison, personne ne mettra ses pieds ici. Laisse-moi te dire, si tu en as marre, pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Chacun a eu ce qu'il voulait. Putain de merde, laisse-moi tranquille. Ah. Hein? Mais laisse-moi tranquille. Bien, personne ne mettra ses pieds dans cette maison. Est-ce que t'es sérieuse là? Oui. T'es sérieuse? Ne me tente pas. Ne me tente pas. Tu es très méchant. Je vais te juger. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir pendant 100 ans. Il va aussi te juger. Tu vas souffrir pendant 1 million d'années. Tu vas souffrir 1 milliard d'années. Tu vas souffrir 3 000 000 000 000. Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est là? Et j'ai dit qui est là? Qui est-ce? Hein? Opine? Qui est Opine? Non, oh, chérie. Chérie, bienvenue. Bienvenue, maman. Ah, bienvenue. Qui es-tu? Qui est-elle? T'es normal? Pardon? Qui est-elle? Chérie, j'ai fait appel à la ménagère quand tu as voyagé. Donc, elle est en train de nettoyer là. Hein? Ménagère? Tu n'es pas la ménagère. Tu me traites de ménagère? Bien. Si tu me touches encore, as-tu récupéré les habits que tu as laissés au pressing? Hey, arrête ce que tu fais. Si tu me touches encore... C'est pas possible. Suis-je en train de rêver? Tu ne rêves pas. Tu es une ménagère, non? Je t'ai appelé. Écoute. Max. Maman. Mon amour. Mais cette chose... Hors de je le fais immédiatement. Tout de suite. Immédiatement, rapidement, comme les Américains de Chicago. Eh, toi là, hein, écoute-moi très bien. Ton service de nettoyage est terminé. Ma femme que tu vois là, elle nettoie mieux que toi. Donc ton service de nettoyage est terminé. Allez, dehors. Quant à toi, tu vas le regretter. Non, maman, mais ne t'inquiète pas. Hein. Tu verras. Bébé, c'est... Max, crois-moi. Moi, ménagère. Écoute-moi très bien. Ne me fais pas perdre cette fille. Ne me la fais pas perdre, hein. Allez, dehors. D'ailleurs, hé hey. Max ah, 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 ah. Max bébé, la ménagère est partie. Elle ne va plus manger, bébé. Max. C'est vraiment bizarre. Tu es assise là, en train d'agoniser, avec l'air très démoralisé. Au lieu d'être en train de célébrer ta libération. Pourquoi? Tu ne devrais pas pleurer. Tu devais avoir les yeux qui brillent et être heureuse pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Papa, papa, je l'ai aimé. Je lui ai tout donné. Ah. Papa, je faisais tout ce qu'il me demandait. Je ne me suis jamais disputée avec lui. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Tu as oublié le mystère. Peut-être que tu n'as pas entendu parler du mystère, mais tu es actuellement dans le mystère. Quand un homme va vers une femme, c'est un mystère. On ne saura jamais.
Si cet homme est intéressé par une seule femme, on ne sait jamais. Et ce que tu n'as pas compris, même l'homme le plus sage au monde, selon la Bible, celui à qui Dieu a dit qu'il est l'homme selon son cœur, tu connais bien son nom. Tu connais combien de femmes il a eues. Il a également eu plusieurs concubines. Ça devrait attirer ton attention. Papa, tu ne peux pas comprendre. J'ai fait pour lui ce qu'aucune autre femme ordinaire ne peut faire pour un homme. J'ai tout fait pour lui. Eh bien, Ned, ça c'est ce que tu penses. Pourquoi me l'a-t-il rendu avec une telle cruauté? Pourquoi? Tu lui as vraiment tout donné. Tu lui as donné ce que tu pensais que aucune autre fille ne pouvait lui donner. Dans tes rêves, est-ce que tu étais là? Étais-tu tout le temps avec lui? C'était sur ce même banc que je t'avais dit, ma fille, tu ne devrais pas permettre en aucun homme de te distraire, que tu dois être focus, que rien ne devait te distraire. C'était ici que je t'avais dit ça. Et je suis très surpris que tu n'as rien compris de tout cela. Tu vois les hommes, hommes forts, les hommes vraiment riches et puissants, vont vers les femmes qui, en aucun cas, ne se laissent pas du tout discrets. Les femmes qui sont toujours fixées, les femmes qui savent ce qu'elles veulent. Je croyais que c'est comme ça que ma fille allait de lui, mais tu as de me prouver que je me suis vraiment trompée. Mais ça va, ça va. C'est une bonne chose que tu aies repris tes esprits et que tu sois libérée. Sèche tes larmes. Papa, je croyais que l'amour suffisait. Je croyais que seul l'amour suffisait. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'amour? L'amour, tu ne connais pas. L'amour est un mythe. Si les gens peuvent tuer à cause de l'amour, alors c'est quoi l'amour? Si un être humain peut tuer un autre être humain au nom de l'amour, c'est quoi l'amour? Nena, je suis vraiment très heureux que tu aies décidé de faire ça. Tu sais, honnêtement, je suis vraiment fier de toi. Très fier de toi. Papa, je suis désolée de ne pas t'avoir écouté plus tôt. Non, tu n'as pas entendu fait pour quoi que ce soit. Je comprends. Comme tu le disais, il suffit d'un seul instant pour que la bonne leçon soit assimilée. Raison pour laquelle je l'ai transférée. J'ai bien vu ça. Merci, papa. Je suis très contente de m'être libérée. Sinon, je devais regretter cette période toute ma vie. Tu n'as pas regretté quoi que ce soit. Je t'ai appelé pour te donner ma bénédiction avant que tu ne partes. Hey. Je suis très fier de toi et je sais que tu vas réussir. Hein? Mm. Tu vas réussir. Merci, papa. Le succès à tous les niveaux. Merci, papa. Merci. Papa, merci. Je t'en prie. Tu es le meilleur papa du monde. Vas-y. Papa chéri, je reviendrai avec le trophée, papa. Bonne chance. Merci, papa. Elles ont moins de la lourdeuse ou l'oiseau. Vous partez? Bonjour, ma beauté. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, ma beauté. Pourquoi vous faites la tête? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous n'arrêtez pas de me suivre? Vous me plaisez vraiment beaucoup et je veux que vous m'accordiez... Je m'en vais en ville. Et j'ai quelque chose d'important à faire.
Je promets de ne pas vous prendre beaucoup de temps. Juste quelques minutes de votre temps, s'il vous plaît. Allez. Juste quelques minutes et je promets de vous laisser tranquille, ok? Quelques minutes et vous me laissez tranquille? Je vous le promets. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais qu'on discute, ok? On pourrait aller prendre un verre quelque part. Juste quelques minutes. Non, je suis pressée. Allez, s'il vous plaît. Hein? Ok? Tu vois les hommes. Hommes forts. Les hommes vraiment riches et puissants. Vont vers les femmes qui, en aucun cas, ne se laissent pas du tout discret. Les femmes qui sont toujours fixées. Les femmes qui savent ce qu'elles veulent. Je croyais que c'est comme ça que ma fille allait devenir. Mais tu as peur de me prouver que je me suis vraiment trompé. Mais ça va. Ça va. C'est une bonne chose que tu aies repris tes esprits et que tu sois libéré. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Chérie, pourquoi? Je dois me rendre dans un lieu très important maintenant. Bon, je peux au moins vous déposer. Me déposer? Ouais, juste vous déposer. Ok, pas de problème. Allez. Papa. Papa, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais s'il te plaît, papa, pardonne-moi. S'il te plaît, je suis vraiment désolée. S'il te plaît. Je sais que j'ai fait beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises. Je sais que j'ai été très stupide. S'il te plaît, je t'en supplie au nom de Dieu. Je t'en supplie. Ne me supplie pas au nom de Dieu. Je t'en supplie. Dieu n'a rien fait. Il faut le laisser là où il est. Je jure que je ne vais plus recommencer. Je ne vais plus. Je ne vais plus jamais te désobéir. Je t'obéirai toujours. Tout ce que tu me demanderas de faire, je le ferai. Je ferai tout ce que tu voudras que je fasse. S'il te plaît, pardonne-moi. Papa, Bico, qu'est-ce que tu me dis? S'il te plaît. S'il te plaît, papa, pardonne ma sœur. C'est la seule sœur que j'ai. S'il te plaît. Papa. Papa, s'il te plaît. Papa. Tu sais que tu es chrétien. Il écrit quelque part dans la Bible que... tu sais que je vais à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Arrête ça. Est-ce que c'est faux? C'est pourtant écrit dans la Bible. Il est écrit... Quand l'enfant prodige est revenu, père cuisine de gros poissons comme ça. Vous avez seulement pour parer du riz. Tu entends? Tu entends ce que c'est que tu dis? S'il te plaît. Que je vous apporte du poisson. Non, 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 papa, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, s'il te plaît. S'il te plaît. Papa Biko, s'il te plaît, pardonne à ma soeur. Ne fais pas attention à cette Chizoba. Chizoba! Chizoba! Tais-toi, non! Tais-toi! Si seulement dit que c'est ton fils l'avait fait. Fais-la, fais-la! Tais-toi! S'il te plaît, papa. S'il te plaît. Papa. Je suis désolée, ça n'arrivera plus jamais. Je te le promets. Ça n'arrivera plus. Omalicha, Omalicha, Omalicha. Bébé, Omalicha. Maman, 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 bébé. Bébé, bébé. Omalicha. Udo, Oguine, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ne veux-tu pas me laisser me reposer dans ce village? Oguine, qu'est-ce qui t'arrive? Omalicha, le fait est que...
Le comportement que tu affiches vis-à-vis de moi ne me plaît du tout pas. Malgré les bons moments qu'on a passés ensemble, malgré tout cela, tu as arrêté de prendre mes appels, tu as arrêté de venir me voir. Hein? Tu veux que je meure? Que veux-tu dire par les bons moments qu'on a passés ensemble? De très bons moments. Dieu m'en garde. Hein? Impossible, ce n'était pas toi et moi. Écoute, laisse-moi te dire, tu es très très pauvre. Hein? Et tu n'es juste pas pauvre dans tes poches. Tu es pauvre ici. Tu es pauvre ici. Hein? Tu appartiens au passé. Omalé, tiens, écoute, hein? Le fait est que le problème, c'est que si tu me laisses, je vais mourir. Hein? Ne peux-tu pas rester avec moi, non? Je suis désolée, je ne peux pas le faire. Tu es tellement pauvre que je ne sais pas comment faire pour m'en sortir avec toi. Vraiment désolée, je ne peux t'accorder aucune chance. Tu sais que c'est vrai que je fais comme si je suis pauvre dans ce village. Pour ta gouverne, je ne suis pas pauvre. Je me cache juste à cause de toutes les insécurités qu'il y a ici. Tu comprends? Pour ma propre sécurité. Okay. Tu sais que j'ai une grande boutique au marché de la place. Sais-tu même que le rivier de Nadia appartient à ma famille? Et si tu acceptes de devenir ma petite amie et que l'on continue, je vais te le donner avec tous les poissons qu'il y a à l'intérieur. Avec Mami Wata, avec tout ce qu'il y a, tout ce que tu vas trouver à l'intérieur. Continue juste là où on s'est arrêté. Je n'ai pas de l'argent dans mes poches maintenant, mais j'en aurai demain. Je jure devant Dieu, de partout, je serai riche. Mais qu'est-ce que tu racontes? 2 secondes et je serai riche. Tu sais, Obi, hein? Premièrement, tes Mami Wata, tes boutiques, je n'en ai rien à faire. Quand tu me regardes, tout ce que je fais vient de Dubaï. Tu vois l'assurance qu'Anne a maintenant, hein? C'est ce que je veux. Je vais t'amener au Banana Island, je vais t'amener à Panya. Je vais t'amener à Otonko, il n'y a pas d'endroit. Arrête tes conneries. Quelqu'un te parle de Dubaï, toi tu me parles de Konou, ne bâche un truc. Ça veut rien dire tout ça, tu iras là-bas tout seul. Regarde-toi n'importe... Hé, Udo? Hein? Qu'est-ce que tu as là? Hein? Qu'est-ce que c'est? Hein? Aïe! Omeda Siekoumé, tu parles de quoi? Aïe! Vieille, d'où elle vient? Je t'ai permise de toucher mon corps. Aïe! Non, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce comportement? Juste parce que je vais t'aider dans ta vie? J'essaie juste de t'aider. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as? Regarde-moi cette fille avec la gale aux fesses que j'essaie d'aider. Une idiote qui ne sait pas se laver. Hein, c'est bon qu'on n'a pas. Laisse-moi te dire, hein. Je t'ai vu venir. Comme je t'ai dit, je t'ai vu venir. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Hein? Abattez mon goukoué. Abaïdon. Je t'ai vu venir. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Manamoua, t'es quoi, loco? Bébé. Bébé. Maman. Bikozianou. Maman. Non, Ngaël Batura, non, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Non, non, dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas ici? Non, c'est toi l'idiot, le bâtard qui est venu me prendre ma petite amie. Elle tu était sur le point de devenir ma femme. Et toi? Connais-tu ce type? À cause de ce carton ici? À cause de ce carton? Non, bébé, à cause de ce carton? Connais-tu ce fou? C'est le gars dont je t'ai parlé, c'est mon ex. Ton ex? Attends. Doucement. Donc tu dis que je suis ton ex, tu m'appelles maintenant ton ex. C'est maintenant ici. Hein? Et quand je parle, tu continues? Non. Enlève ta main. Qu'est-ce que ça signifie? Laisse-moi te dire, mon gars, je sais ce que tu veux. Ne t'en fais pas. Je vais te tuer, gars, je sais ce que tu attends. Hey. Regardez-moi cet idiot. Ah ouais? Où es-tu? Hein? J'ai besoin de toi et de ton unité, maintenant. Gars, attends. Oui. Non. Inamit mewa. Ton unité, gars. Munage moi. Go, munage fo. Togoro, gars, munage moi. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Donc juste pour moi, tu as besoin d'appeler une unité. Un bataillon pour moi seul. Je te vois venir. Je vais. Je te parle et tu enlaces mon bébé. Je ne l'arrête pas. Tu enlaces mon bébé. Tu connais sa maison. Je connais sa maison. Tu connais sa maison, n'est-ce pas? Je vais t'y amener. Ne t'en fais pas. Je vais te donner une leçon. Bien. Sois patient, ok? Bien. Je vais te donner une leçon. Je ne vis même plus dans ce village. Tu n'as pas de maison. Non, ne t'en fais pas. Détends-toi. Je vais te donner une bonne leçon. Je ne vis plus dans ce village. Tu ne vis plus dans ce village. Je n'ai même plus d'adresse. Tu connais le chez-lui. Non. Je n'ai plus d'adresse. Ne t'en fais pas. Je te vois venir. Devant Dieu, je jure devant Dieu que je sais ce que tu veux. Tu vas mourir. Je me demande comment tu as pu sortir avec quelqu'un comme ça, Zoueke. Mourir. Regarde-le. Papa?
Nina. J'ai l'impression que l'amour commence à te rendre heureuse. Mais je ne t'en veux pas. Mais tu ne dois pas oublier tes objectifs à cause des petits, petits, petits mots d'amour. Des hommes. Des bons parleurs. Non, non. Papa, tu me connais très bien. Je suis toujours concentrée. Et je ne dois jamais me perdre. Tu restes concentrée. Mais je sais que plus tard, tu vas travailler pour lui. Quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour ta carrière? Papa. Papa, je me repose juste en attendant les résultats du concours et c'est tout. Écoute, je vais te dire quelque chose. Tu dois rester concentré. Tu ne dois pas baisser la garde. Ne permets à personne de te distraire. Ah. Écoute, écoute, écoute. Tu n'es pas encore marié avec ce gars. Et même si vous êtes marié, tu dois rester. Focus sur cette carrière que tu construis. Ne t'égare pas. D'accord, chef. Laisse-moi te dire autre chose. Les hommes vont toujours vers les femmes délicates. Cette femme qui est focus. Cette femme qu'on ne discrète pas facilement. Tu vois de tels hommes, il peut y avoir une panoplie de femmes autour d'eux. Des femmes qui sont prêtes à se donner à eux, très moins cher, même avec la disponibilité de toutes ces femmes. Ils seront toujours plus attirés par celle-là qui est délicate, celle-là qui est focus, celle-là qu'on ne discrète pas facilement. Mets-toi ça toujours en tête. Oui. Chef. Écoute, tu peux tout oublier. Mais n'oublie jamais ce que je viens de te dire. Oui, papa. Je ne l'oublierai pas. Papa, tu te régales ces derniers temps. Papa, il m'a acheté des nouvelles choses. Ton téléphone est très bien. C'est le iPhone. Oui, merci. C'est l'iPhone 12 Pro Max. Même tes cheveux, c'est long. Ah, c'est long. Chizoba, merci. C'est le pur cheveu humain péruvien. Oui, merci. Où est la pureté là-dedans? Chizoba, c'est juste le nom de la mèche. Ça change, tu sais. Ta main aussi. Qu'est-ce que c'est? Ceci est beau, hein? Merci, c'est du quartier. Pardon? Quartier. Mais c'est grand, grand nom. En tout cas, tu es belle. Merci. Chizoba, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? C'est juste que comme maintenant tu portes les longues mèches de quartier sur tes mains, pourras-tu encore m'apprendre à coudre? Ah, je suis vraiment désolée. Je ne peux plus. En ce moment, j'ai tellement de choses à faire. Mais pourquoi ne pas rejoindre ma sœur au salon de beauté Ranville? Maison de beauté, avec des gens qui se prennent la tête là. Non, 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 je ne peux pas. Et puis, j'ai pas d'argent pour ça. Ah, ça va, hein? Chizoba, ne t'en fais pas. Je vais te donner de l'argent pour ton inscription. Oui. Donc, tu peux me donner l'argent pour que je fasse mon inscription? Pourquoi pas? Hey! Merci, ma sœur. Avant que je n'enlève ta perruque, hein? Merci beaucoup. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Oh, tu pensais que j'allais être fâchée parce que tu m'as séparée d'Odo? Mais oui, ah. Je ne serais pas fâchée. Je luttais simplement pour mes intérêts. Je voulais juste être une bonne amie. Non, 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 ne t'inquiète pas, je ne suis pas fâchée. Dieu merci, nous nous sommes séparés. Je me suis toujours dit qu'Odo était l'amour de ma vie. Mais dans voilà. Cette bêtise que j'appelais relation. Mais bien sûr que je l'avais dit. Et je savais qu'au fur et à mesure, tu comprendrais. Que Dieu me préserve. C'est un grand Pourquoi malade. Dois-je me fâcher? Un Pourquoi dois-je me fâcher malade. Je me demande bien comment j'ai fait pour me trouver dans cette relation. Avec un teint comme le tien. Il n'a pas vu ta greffe, là? Échade dans ta main qui te convient maintenant. Tu vois pas. Ce qui reste, c'est de Chizoba, porter viens, maintenant. Je te donne l'argent. Hé, hey, stupidité. Aucune maîtrise de soi.
Regardez-la. Regardez-la où ça m'a conduit. Hé, tu n'es qu'un. Na-un. Je devais être en train de célébrer avec ma petite amie, mais... Manambamba. Il fallait d'en galère comment. Oh, Zozo et Koro. Timo. Je me disais que je maîtrise. Mais je me rends compte que je ne maîtrisais rien. J'ai tout perdu. Hein? Ok, Zekoloufa, voilà. Dikola, la moutre. On y a fait mon mambo, toi, la moutre, moi, nous, j'allais, Kenny. Moi, la Kenny, ma fille, c'est quoi, ok? Ah! J'ai tout perdu. Papa! 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 Doucement. Ah, papa, j'ai gagné! Papa, j'ai gagné! Je suis vraiment très, très fier de toi. Merci, papa. Mon amour, te rencontrer a été l'une des plus belles choses qui me soient jamais arrivées dans la vie. Tu as apporté beaucoup de lumière dans ma vie. Et je voudrais que cette lumière continue d'illuminer ma vie pour toujours. Félicitations, ma sœur. Ah, papa. S'il te plaît, épouse-moi. Papa. Elle va me manier Kanya. Kanya, va me manier. Oh, oui, mon ami, quoi? Félicitations. Papa. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.